Salut, bonjour. Alors, ce matin, plusieurs sujets de la politique, de l'exopolitique, peut-être en tout cas de la politique deep state. Alors, une version plus ou moins officielle quand même, hein, on va dire, le temps que je partage mon écran, avec Brandon O'Connell. Ça fait d'ailleurs deux vidéos là que je voulais vous faire, et dans celle de ce matin hier soir, il reprend un petit peu ce dont il parlait dans la précédente, ce qui fait qu'on va s'occuper plutôt de la dernière en date, hein, en résumant. Et puis, ah, il y a aussi ça. Et puis, il y a une dernière de Kim aussi. Il paraît que prochainement, on va avoir des avancées médicales. Il y a quelqu'un qui a travaillé sur toutes sortes de traitements, qui soignait toutes sortes de maladies. Et il devait faire ça dans le plus grand secret, n'en parler à personne et tout ça. Et en fait, a priori, là, ils nous font un coming out, une révélation. Ça sera dans une interview qui va sortir ce soir, hein? Aujourd'hui, ce soir, elle est en prévision. Donc, voilà. Allons-y. Mais avant de ce faire, on va attaquer par trois petits articles divers et variés qui nous amènent à d'autres sujets en général, en conséquence, et qui m'a semblé intéressant de vous traiter. Donc le premier, ça vient de cairnsnews.org, et c'est l'Allemagne n'a plus d'énergie, par Alexandra Bruss. Donc je vous traduis un petit peu en diagonale le début. En officialisant la théorie non prouvée que le pétrole est une énergie fossile non renouvelable, les compagnies pétrolières ont été capables d'ajuster le prix en accord au soi-disant Peak Oil et aux frayeurs qui l'accompagnent, c'est-à-dire c'est la fin de la production de pétrole. Peak, c'est PEAK, hein. C'est le trou. Hein, le pic avant sur un bateau, c'est la soute, si on peut dire. Hein, c'est une soute, même si on y accède depuis le pont. Bon. Donc, qui prévoyait calamité, comme quoi le monde arriverait bientôt à bout de son pétrole. Situation qui va encore plus bénéficier au schéma d'indexation des prix du pétrole des compagnies pétrolières. Mais en fait, les puits n'ont jamais séché. Et ceux qui ont été vidés se sont re-remplis. Alors, la science que nous avons aujourd'hui, qui favorise la théorie abiotique, c'est-à-dire sans vie, hein. On dit que le pétrole, c'est une dégradation des couches de carbone, que ce soit des forêts ou même, par exemple, le gros tas d'hamburgers, de hachis parmentiers, de dinosaures qui a pu y avoir lors d'un tsunami, vous voyez, hein, un tsunami qui passe, ça nettoie le pays. Dis dinosaures parce que tsunami, parce que phénomène majeur accepté, hein, on trouve dans des failles géologiques un entassement de multiples espèces différentes, fossilisées et démembrées, hein. Donc, c'est bien le résultat, en fait, d'un tsunami qui vous charrie absolument tout. Et par la gravité, cette vague se voit délester des plus gros morceaux chaque fois qu'il y a un trou, hein, sur ce qu'elle passe. Donc, voilà, ça bouche le trou. Et puis, 20 millions d'années plus tard, ah tiens, mais il y a plein d'os, là. Donc, ça, c'est la version que ces résidus-là peuvent se transformer en pétrole parce que c'était à partir de biologie. Mais il y a une version abiotique
comme quoi le pétrole se créerait dans les tréfonds de la Terre par d'immenses, une concordance d'immenses pressions sur des couches sédimentaires particulières ou autres, je ne sais pas, qui dont est exsudé finalement ce mélange. Vous tombez rarement sur des poches de liquide liquide, hein. Vous tombez plutôt sur des sortes de strates d'éponges imbibées de pétrole, d'éponges pierreuses imbibées de éponge pieuse, vous voyez ce que je veux dire, une structure alvéolée de terre ou de pierre ou de sable, hein, d'où les schistes bitumineux. Bon, allez, reprenons. Et donc, il y a une autre théorie, hein, comme quoi justement, on n'en viendrait jamais à bout donc du pétrole. Et que, comme on peut voir dans nos océans, il y a des lacs de méthane sous l'eau, enfin, sous la surface des océans, mais sous le sol de la surface des océans, et profondément sous la surface, et qui ont leurs propres moyens autonomes d'autogénération, quoi, on va dire. Alors, j'ai dit gaz, oui, là, c'est méthane, donc c'est du gaz quand même. Mais il peut être sous forme liquide avec une grosse pression. Alors maintenant, l'histoire a changé. C'est plus le monde va bientôt se trouver à court de pétrole. C'est le monde va sûrement s'arrêter si on ne s'arrête pas d'utiliser du pétrole. Alors, petit encart, je vous traite de ça parce que je n'ai pas envie ce matin de vous traiter des énergies libres. Non, non, il y en a marre. Non, ben vous savez, je vous dis, c'est toujours la même histoire, on dirait. Hein, on dirait. Hein. On nous fait nous disputer, nos opinions se partagent. Ben tiens, moi, je porte des masques bleus, ils marchent mieux que les masques rouges. Hein, et on oublie que les masques ne servent à rien. Mais nous, on se dispute là-dessus. Et la loi, on la passe ou on ne la passe pas? Et on oblige dans les hôpitaux ou que dans les écoles? Et ceci et cela. Non, les masques ne fonctionnent pas. Bon, ben, qu'il y ait une maladie ou qu'il n'y en ait pas. Parce qu'on pourrait insister sur le fait que non, il n'y a pas vraiment de maladie en plus. Il y a des symptômes différents, il y a tellement de symptômes à cette maladie-là que c'est la maladie de toutes les maladies, en fait. Hein. C'est un best-of, ce truc-là. Non, non, c'est pas ça. Moi, à mon avis, l'interprétation, c'est que c'est ce que ça donne, l'irradiation aux électrosmogs différents dans une ambiance de nanotech, de pollution aussi chimique, et puis dans le chimique transformateur endocrinien, donc d'hormones et d'OGM. Alors c'est le résultat de l'irradiation des cellules dans ce milieu-là, pardon, toxique, en fonction de l'état cellulaire de chacun des individus. Il y a pas deux personnes qui ont le même niveau de santé. Il n'y a pas deux personnes d'ailleurs qui ont le même système immunitaire. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même histoire. Même des jumeaux, enfin, à moins qu'ils soient siamois, et encore, ça ne veut même pas dire qu'ils mangeraient la même chose, à moins qu'ils soient siamois, n'auraient ces conditions de similarité avec un autre individu. Tout le monde est différent un petit peu. Et de toute manière, même celui-là, s'il y a deux consciences, et rattaché par un même corps dans le cas des Siamois, il suffit que ce soit deux consciences séparées pour que finalement l'ADN s'adapte différemment à la vie. Et donc, varie sa qualité d'être, de structure, de construction. Je prends bien ce qui m'arrive aujourd'hui ou je le prends mal. Je le prends bien, quoi que, c'est les mêmes événements qui vont se dérouler. Une fois, je le prends bien, enfin, dans un exemple, dans l'autre, je le prends mal. Dans celui où je le prends bien, je digère bien, j'ai envie de manger, j'ai de l'appétit, je souris, etc. Et mon corps jouit d'une autre manière de tout ce que je vais absorber aujourd'hui. Je le prends mal,
Non, j'ai pas faim, je me force, je digère mal, je fais la bouffe à la va-vite, elle passe encore moins bien, je la bouffe trop vite, elle je la mâche pas assez. Oh, on se demande pourquoi. Hein. Non, mais voilà, imaginons. On s'aligne et imaginons. Bon, j'ai plus de défense là. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est la raison pour laquelle les toubibs trouvent des symptômes semblables, mais variés et différents. Et de la même manière, le résultat des injections des spritch sur ces individus-là, tous différents, va donner des résultats potentiellement différents, quoi. Voilà. Bon, où est-ce qu'on en est? On en revient au pétrole? Non, je crois pas. Je crois qu'on a compris, là. Donc, l'Allemagne, ah oui, l'Allemagne, elle avait 11 centrales, elle en a limité 6 déjà, me semble-t-il. Non, c'est ça. Ils avaient 17 centrales, ils en ont fermé 11, donc il en reste 6. Ouais, et finalement, ils rouvrent des centrales à charbon, et puis de toute façon, ils importent de l'électricité de chez nous. Enfin, je sais pas, il nous en manque, nous on se rationne et on enfile à côté. On est très généreux. Vous voyez, ça, c'est de l'humanité. On en a un... ben, on fait moite-moite, quoi. Voilà, chacun prend le minimum pour pas mourir, et puis on répartit. Vous voyez, ça, c'est familial, ça. Hein. Ça, c'est bien, hein. Mais bon, ça marche pas vraiment comme ça, en fait. C'est ballot, hein, parce que pour une fois, c'est l'explication qu'ils nous donnent, mais c'est pas comme ça qu'ils la mettent en place. C'est pas ce qui se passe. Bon. Donc, je vais pas tout vous traduire, hein. Nous, on n'oublie pas que le Green Agenda, Green, c'est tout en majuscule normalement, hein, il me semble bien. Au début, c'était écrit tout en majuscule et c'est G, global, j'avais dit quoi? Resilient, economical, ecological, EN, new, norme. Voilà, la norme. Par exemple, hein, je ne sais pas, hein, je ne me rappelle plus, c'est Deborah Tavares sur son site Stop the Crime en anglais, .com ou .net, .new, hein, .net, .new, qui avait développé ça il y a 10 ans, il y a 10 ans à peu près. Bon, hein, c'est comme, en fait, COVID, hein, c'est Certificat of... ou pas off, mais bon, on va dire off pour l'instant, certificat de vaccination et d'identité 2020 ou 19, 2020, 2021. C'est pour ça qu'ils nous parlaient du Covid 21, 22, 23. C'était l'identité qui s'adaptait, puisque le CROB lui-même, la seule base fiable et reproductible qu'ils ont, c'est une. Un schéma informatique d'un extrait d'ADN d'un chromosome. Enfin bon, et c'est informatique. Ils n'en ont pas isolé. Hein. C'est peut-être aussi ça qui leur permet d'inventer, soi-disant, des vaccins avant même que la maladie arrive, même si après, elle n'est pas arrivée, mais ils ont déjà posé des patentes depuis 10 ans. 20 ans. Hein? Non, mais bon, c'est un truc qui n'existe pas, mais on l'a déjà patenté. Évidemment, c'est pas vraiment très drôle. Bon, changeons d'article. Et un petit peu de sujet, mais pas qu'un tout petit peu de sujet, puisque en fait, là, on est sur The Exposé, qui nous rappelle, après nous avoir dit, ça urge que vous nous financiez pour qu'on finisse le mois. Et il nous rappelle que après 5 mois, on va dire, de data, hein, officielle du gouvernement, qui prouve que les vaccins anti-CV19 détruisent le système immunitaire et causent un sida, hein, un syndrome acquis d'immunodéficience, de déficience immunitaire. N'est-ce pas? Voilà. Et ça vient d'où?
Du Royaume-Uni. Et ça provient de l'agence de sécurité de santé. Donc, bon, hein, c'est les conspirateurs en chef, quoi, en fait. Donc, c'est les données du gouvernement, quoi. Voilà, donc je vous lis pas plus, hein. Je pense que vous aurez la page, son adresse, vous pourrez vous traduire ça avec une extension qui ne ralentira pas trop votre ordinateur. Et hop, vous pourrez absorber le contenu intellectuel de cet article. Et pareillement, on retourne chez Cairns News, là, où on voit que le QLD, je sais pas, travailliste, introduit des lois génocidaires à propos des vax. Oui, il se passe un truc terrible. C'est qu'en même temps qu'on a les articles qui disent arrêtez tout, quoi. Non, en toute logique, normalement, vous lisez l'article et puis votre réaction, c'est dit alors on arrête tout. Ben non, pas chez les gouvernements, mais c'est à peu près normal parce que, alors bon, lisons l'article. Ça vient de Lindsay Simons ou Simons. Et c'est en Australie, le régime Covid uni communiste est en train de bâtir un fonds législatif pour suivre le standard génocidaire communiste sur les populations. Et c'est-à-dire, voilà, se conformer au désir. Hein. Ah oui, c'est comme dans les grandes purges sous Mao. Combien? 40 millions de Chinois? Ouais, oui, bah écoutez, 80 millions peut-être, hein, je crois 80 millions on pouvait monter. En URSS, depuis 1917, le génocide slave. 80 millions, 120 millions, je ne sais pas, beaucoup, 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 beaucoup. Au Laos, non. Les Viet Cong, comment ils s'appelaient l'autre? Les Khmers Rouges aussi. À chaque fois, millions de morts, millions de morts. Voilà. Donc, Yvette date, cette vampire dominatrice, ministre de la dépopulation. Blablabla. Ils font passer des lois qui obligent. Et puis, bon, voilà, ça va aussi, c'est des lois qui vont s'y mettre aussi aux ukases du GIEC. Enfin, pas du GIEC, du Forum économique mondial qui se base sur les escroqueries du GIEC pour nous soumettre aussi aux émissions de CO2. Hein. Je fais un gros soupir, mais j'aurais pas dû parce que là, je viens d'émettre 2 litres de CO2. Et comment transformer l'humain en virus, parasite, pollueur, machin, soi-disant, on se fout de nous ou quoi? Un, le CO2 n'est pas un polluant, c'est la bouffe des plantes. Hein, oui, non, mais enfin, hein, s'il vous plaît, hein, remettez-vous à jour. Hein, c'est la réaction chlorophyllienne, hein, d'absorption de la lumière, de l'eau, de quelques minéraux. Enfin bon, ça suffit, quoi. On connaît notre biologie de CO2. J'avais 8 ans quand j'ai appris ça, je ne sais pas. 7 ans peut-être. Oh, alors, c'est un des premiers trucs qu'on nous apprend. On fait tout en même temps, de la biologie, de la chimie, de la physique. C'est passionnant cette première expérience. On met des petits caches sur une feuille et hop, au bout de 2 jours, on l'enlève, on remarque qu'elle a jauni dessous. On fait des caches de différentes couleurs. On comprend que c'est le vert qui n'est pas absorbé. Et que toutes les autres longueurs d'onde sont absorbées. On touche à tout, là. Le CO2, la plante. Non, mais c'était passionnant. Bon, il y en a qui s'en rappellent plus. Ben, ils ont peut-être séché. Je ne sais pas. Ils ont peut-être déjà truandé. Parce que c'est en général pas des premiers de la classe qui finissent au gouvernement. Non.
Ils finissent dans les services dont on n'entend pas parler, a priori. Mais c'est les derniers de la classe qui finissent au gouvernement. C'est les plus corrompus, ou c'est ceux qui étaient premiers parce qu'ils avaient triché. Ou voilà, c'est eux. Ouais. Ce n'est pas la vraie valeur des gens. Eux, par contre, on leur met des bâtons dans les roues. Je ne fais pas mon Calimero, là, oui, mais j'ai bien remarqué, quoi. Ayant failli fréquenter ce genre de frange de la population, étant donné que j'étais pas trop mauvais à l'école quand j'étais petit, bon, on va pas rester avec cette dame donc vampirique à l'écran. Et on a fait tous les trois, ouais, on a fait les trois articles là. Donc, bon, évidemment, ce truc-là me gêne. Maintenant, on passe chez Brendan O'Connell. Et donc, ça, c'est en fait la première des deux vidéos dont je voulais vous parler. Et bon, ça commence juste parce que qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez toutes ces images-là? Quand il réunit toutes ces personnes, c'est Brendan O'Connell, hein, c'est sa page, là. Quand il réunit toutes ces personnes sur une image, c'est qu'elles ont une relation entre elles, hein, évidemment. Et vous avez là le logo de la Compagnie des Indes orientales. Façon, qu'elles soient orientales ou occidentales, c'est à plus ou moins la même compagnie. Voilà, cette dame-là. C'est Julianne Romanello. Alors, Julianne Romanello, pendant toute une époque, elle était normale. Elle était objective. Et quand elle traitait des affaires économiques et financières du monde, évidemment, à chaque fois, elle y incluait les gangs de banksters l'impact israélien sur ces domaines, hein, globalement. Et puis, elle a fait une interview chez Alex Jones pendant 1 heure et demie, paraît-il, et qui a carrément sidéré Brandon. Donc, je vous le dis en diagonale, parce que peut-être après, quand ça va passer dans la vidéo, j'accélérerai ou je sauterai, durant laquelle elle n'a pas prononcé une fois ni le mot Israël, quoi. Jamais elle l'a prononcé. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'elle s'est fait approcher par des entités qui l'ont remis sur les rails. On va dire, sur leur rail. Hein. Et comme maintenant, elle a un super public qui s'accroît régulièrement, exponentiellement, mais elle a changé de politique, de discours politique ou critique politique. Et que ça, quand même, c'est une sacrée catastrophe pour nous. Parce qu'en fait, c'est une pointure intellectuelle. Il va-t-il dire aussi. Il a bien vu. Hein. Et elle était tout à fait d'accord avec lui pendant 1 mois. Ils avaient des contacts. Elle était là tout à fait d'accord. Elle le caressait dans le sens du poil, on va dire. Et puis d'un coup, voilà, il s'avère que c'est comme si elle avait rien compris, comme si elle avait tout oublié. Elle dit, ouais, mais vous savez, je ne suis pas une spécialiste, ceci, cela. Je suis juste une universitaire, étudiante. Et lui, ça fait 1 mois qu'il constate bien que derrière, en fait, quand il cause avec elle, il y a du répondant, quoi. Hein? Elle est sérieusement, elle a le niveau. Ah, non, ben non. Non. Enfin, si, elle l'a toujours, mais ce n'est plus apparent. Et puis, c'est comme si elle ne l'avait plus, finalement. Elle n'a rien dit. Quand il s'énerve, Brandon, il s'énerve. D'ailleurs, il est là, il dit, attendez, attendez, il faut que je fasse mon zen parce qu'il calcule pas, quoi. Il part dans les tours, il part dans les tours. Parce que c'est urgence, hein. On est dans le dernier train pour sauver l'humanité. Et à son avis, à Brandon, O'Connell, 3, il nous faut absolument prendre tout ça nous-mêmes en charge et aller communiquer avec du personnel des forces de l'ordre, de façon à leur donner du bon matos sur lequel réfléchir, d'une part,
créer du matériel qui puisse être consultable hors ligne, parce qu'on s'attend vraiment à un arrêt d'Internet ou à une remanipulation complète ou à un contrôle complet, et qu'il nous faut du matériel hors ligne qui ne sera pas censuré, des DVD, des bouquins. Des bouquins, c'est encore mieux, hein, puisque, enfin, des éditions, hein, on va dire des journaux, des éditions, de tous les articles, tout édité, et que ça puisse être lisible après, même s'il n'y a plus d'électricité. Ben, ne serait-ce que pour la première génération future, là, les premières années, tant qu'on aura, y aura des survivants dans la résistance, on va dire, hein, tant qu'il y aura encore du matériel valable, pas pollué, pas rectifié, de manière à pouvoir leur fournir assez de confiance dans l'idée comme quoi ils ont raison d'être résistants, parce que même s'ils ne comprennent pas tout pour l'instant, ce qui est en train de se passer au niveau de gouvernement est très mauvais pour l'humanité. Qu'ils nous fassent confiance aux vieux, on a, ah, dis donc, pour ne pas sentir ce qui est en train de se dérouler, là, il faut vraiment avoir le nez bouché. Mais je t'en rien, là. Peut-être que je suis malade. Non, mais franchement, quoi. Hein? Non, je gaguais parce que toute ma chaîne n'est bâtie que là-dessus. Alors, évidemment, ça fait 4 ans qu'on vous rebat les oreilles ici avec des sujets qui poussent à penser comme ça. Par logique, par constatation, hein? Pas par idéologie. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je vous traite aussi de Kim ou de Ben Fulford quand il nous annonce des trucs très jolis, hein, qu'on espère, qu'on souhaite pas d'espoir. Mieux, on le souhaite tout en préparant le pire au cas où. Hein. On souhaite le mieux tout en préparant le pire. D'ailleurs, la préparation du pire, je pense que vous êtes assez rodé maintenant, normalement. Hein. Bon, on s'améliore un petit peu à chaque fois, on trouve des nouveaux sujets. Je vous signale qu'une grande majorité des graines que j'ai plantées n'est pas sortie. Une grande majorité. J'ai un jardin ridicule. J'ai eu un épi de maïs. Bon, j'en ai planté que 10 pour voir, hein, mais un, etc., etc. J'ai eu 3 courges. 6 tomates. Non, un peu plus, mais enfin, il y en a. Ils sont tellement ridicules, les 3 autres. Bon, c'est le genre, quoi. À part les patates, il n'y a rien qui a poussé. Bon, c'est un métier. Même pas un tournesol n'est sorti. Je ne sais pas. L'an dernier, il en était sorti 3, des tournesols. Histoire de dire que vérifiez vos graines, en tout cas stockez-les dans les meilleures conditions possibles, et puis à la limite, avant de les mettre à germer, vous les faites séjourner dans une pyramide. Là, vous connaissez ce système d'électroculture, une pyramide, angle de 51 degrés, et vous laissez séjourner quelques heures, quelques jours là-dedans, au tiers supérieur vis-à-vis de la base, hein, un tiers de la hauteur à peu près, ou un tiers du haut aussi. Ces deux endroits spécialement riches en énergie, il faudra tester s'il y en a un qui. Ah, vous voyez, il y a des énergies qui ont différentes couleurs, donc qui prédisposent à différentes fonctions. Donc peut-être que un petit séjour en bas puis en haut ou le contraire, je ne sais pas, il faut tester. Bon, avant de les planter, puis à la limite, vous les plantez aussi dans une situation de grande pyramide, ce coup-ci, hein, construite en cuivre ou en bois ou autre chose, d'ailleurs. Et là, vous risquez d'avoir plus de germinaison et des produits plus gros et plus riches en nutriments. Merci. Il est en colère. Est-ce que vous êtes en colère? Ouais, on est en colère. Donc, elle parlait avant des cartels bancaires et du pouvoir juif. De l'implantation d'Israël, de la technologie israélienne et de ses techniciens, hein, dans tous les systèmes mondiaux. Donc, il va parler de Julian Romanello, donc elle. Et à quel point c'est devenu une fraude, un agent au contraire, une escroquerie.
Amanda Pruitt here. She's just a nut. I words scared me. I couldn't believe what I was listening to. She does an hour and 20 minutes lecture with a bunch of Il pouvait pas croire ce qu'il entendait. half-wits. The word Israel is not mentioned once, and they've got Elle n'a pas mentionné une fois le mot Israël. Some half-witted organizer there talking about the Muslim Brotherhood are running. Mais elle a tout amené sur le dos de la fraternité musulmane. La fraternité, ben c'est un autre nom. Les frères musulmans, voilà. Les frères musulmans dont on se rappelle, nous, hein, qu'ils ont été fondés par le MI 6 ou 5 ou 6 en 1927, c'est ça? Ah bon? Oui. Mais bon, la reine, elle se revendique aussi d'avoir des racines de l'époque là-bas dans le croissant fertile. Ben oui, ben oui, elle est descendante des familles qui régnaient là-bas les unes par rapport aux autres, hein, avec des guerres incessantes entre eux. Ce qui est décrit dans les Numa Elish et puis d'autres écrits sumériens, et ce sur quoi là on peut se baser. Par contre, par la suite, il ne faut pas oublier que si vous prenez les rapports de l'an dernier sur la situation sanitaire en France, les rapports officiels du gouvernement, vous allez tomber sur un gros fratras de conneries, de mensonges, d'idioties, et qui seront officiels et à des centaines de milliers d'exemplaires. Donc, les tablettes d'argile, ben, quelque part, si c'était la presse, on va dire, quotidienne, elle était bien gérée et censurée, évidemment, à l'époque, comme aujourd'hui, puisque c'est le même système, c'est le même principe, et c'était quasiment, jusqu'à aujourd'hui, les mêmes dirigeants qui étaient en place. Donc, vous n'allez pas me faire croire que d'un coup, eux, ont perdu la recette pour construire des pyramides. Non, parce qu'ils sont tous là, ouais, nous sommes le peuple primitif, d'où descend la civilisation, regardez, on a construit les pyramides, et bien moi, tu dis, et alors? Pourquoi vous avez arrêté? Vous avez pu le faire, hein? Pourquoi est-ce qu'à l'époque, les mecs, ils régnaient pendant 70 000 ans, et puis que vous, là, ben, je ne sais pas, déjà, trois gouvernements en 6 mois, oh! Et puis vous mourrez comme des mouches, les mecs, 70 000 ans de règne. Il n'a pas commencé à sa naissance quand même, donc on va lui laisser quelques années avant. Et puis quelques années après aussi, quand il a lâché le trône, ou qu'il s'est fait mettre de côté, s'il a survécu. Je parle là de cette lignée égyptienne historique. Elle a un nom avec TP. D'avant l'Égypte dynastique, quoi. Cette période-là qui rentre tout à fait dans nos croyances, on va dire, ou dans nos suppositions, quant à la structure Anunnaki régnante sur que ce soit toute la région. Alors que si ça se trouve, en plus, l'équateur n'était pas tout à fait le même, d'une part. Alors qu'en plus, si ça se trouve, même la planète était peut-être inversée. Alors, je l'inverse comme ça, mais c'est faux. En fait, il faut l'inverser jusqu'à ce que les pôles actuels se retrouvent à un équateur. Et après, vous mettez une rotation. Enfin, vous pouvez imaginer une rotation, puisqu'on ne sait pas dans quel sens vraiment ça tourne. Du coup, ben, ça dépend à quel moment elle bascule. Et puis, vous imaginez l'équateur incluant les deux pôles actuels, quoi, à peu près. Ce qui fait que, par contre, c'est des zones actuellement équatoriales qui vont se retrouver au pôle. Mais l'Antarctique va se retrouver dégagée et on va peut-être pouvoir y voir la structure d'une ancienne cité antique semblable à celle à laquelle on compare constamment Atlantis avec ses cercles. Ouais, ils ont pu en construire plusieurs. Si c'est une structure biotellurique favorable, méganthropique, dès que vous avez un système de construction qui marche et qui favorise la vie, je suis désolé, je ne vois pas pourquoi vous ne le feriez qu'une fois, surtout à une époque où vous régnez quasiment sur toute la planète. La planète qui n'est pas plate, hein, pour nous. Les pamonautes normaux, ils ne sont pas platistes. Ils s'y sont intéressés, ils ont constaté que c'était très efficace de remettre en cause toutes ses croyances, de tester son propre esprit critique et de voir si on arrivait à ressortir, après tout ça, un chemin de pensée
construit et fiable, hein, quand même. Parce qu'à notre âge, si c'est comme si on ne savait plus rien du tout, s'il fallait tout recommencer, c'est un peu déprimant. Donc on n'en reste pas à cette baffe et contre-baffe et sur-baffe avec les arguments platistes qui ne sont pas mauvais, hein, mais qui se font détruire en général quand on a des notions autres que celles qu'ils ont en général. Ouais, général, général, mon général. Donc, voilà, c'est pas parce qu'il y a une imitation qu'il n'y a pas un vrai à la base. Et que si je vous montre une imitation de moi-même, c'est parce que j'ai envie de vous cacher la vraie. Et pendant ce temps-là, la vraie fait autre chose, si ça se trouve. Si ça se trouve, le vrai Pam, il est dehors, en bas, en train de rigoler avec les chats, au soleil, vous voyez? Ouais. Et moi, je suis le clone numéro X. Oh, il y a deux, trois vidéos là, qui sortent sur les clones d'Hollywood. Enfin, il y a une version récapitulative assez intéressante avec l'étude de cas de certains rappeurs actuels là, qui l'ont admis eux-mêmes. Il y en a un, là, un jeune, là, qui dit « Je suis le numéro un tel, mon ADN vient de là et là, et je suis le Xème prototype de la série du genre. » Il vient de chez Eugenics, je crois. Et il nous donne le numéro, son numéro de dossier. Alors bon. Et puis il rigole pas du tout. Il a pas du tout. Alors, on dirait qu'il n'a pas beaucoup de consistance derrière, de vide dans la lumière de ses pupilles. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Néanmoins, il est franc. Il me paraît franc. All this high technology. I kid you not. I just sat there in total stunned, absolute disbelief. For those of you who don't know, I did a video with Julianne Romanello. I spent 5 minutes, 6 weeks with her talking about what we talk about, nothing else. But she said how wonderful and brilliant I was. Kissed my ass for nearly 6 weeks. Donc, pendant 6 semaines, elle l'a encensé en disant vraiment qu'il était brillant. And talk nothing. It was just Israel, you're so right, Brandon. We have to get off on materials. We have to get off on. We've got to... Et elle disait qu'il fallait absolument aller au fond de ses affaires avec le pouvoir juif, move fast. I said, what's coming before the end of the year? It's going to be blockade or possible invasion. Dans lesquels le pouvoir juif était impliqué, on va dire. Ce qu'on appelle le pouvoir juif, là, ce n'est pas une généralisation, hein, mais c'est une réalisation que les gens qui sont impliqués dans ces histoires appartiennent tous à certains clubs ou sectes ou religions ou ce que vous voudrez, et qu'en général, eh ben, ils ont ces points communs-là, et on peut dire qu'en général, ils ont le point commun d'être juifs. Peut-être Crypto Khazar et se revendiquer juif, mais voilà. Hein, et on ne généralise pas tout, et on sait que le peuple israélien et juif aussi souffre énormément de toutes ces manigouilles qui se déroulent entre entités Crypto Khazar en général, Black Sun, etc., au détriment de, en fait, toute l'humanité. Mais. Il divise la part de culpabilité et de souffrance, de mérite à la souffrance entre les victimes, de façon à ce qu'elles s'opposent entre elles. Voilà. Au lieu de chercher qui leur fait vraiment du mal à tous, les gens disent, ouais, mais nous, on a plus souffert, ouais, mais toi, tu as oublié ça, puis on en est là, alors que tout vient des mêmes. À mon avis, je crois qu'on peut se baser là-dessus pour garder cette morale de stratégie, tant qu'elle n'est pas contredite, hein, mais pour l'instant ça marche. À chaque fois, c'est tout le temps pareil. Reprenons. But I suspect the blockade. I agree with reluctantly, Eric Prince. He should know. He's been working with China for a long time. There's probably going to be a blockade by September, certainly before the end of the year. We'll see. But it's a 90% likelihood. And my friends are talking to Taiwanese people when they say the same. But it's on. Once that happens and if things go south, quick hyperinflation, supply chain cut-off. Donc, là, je à moitié pas suivi, je réfléchissais. Justement, est-ce que ça impliquait au niveau économique aussi? Enfin, bon. Then you will see your Israeli food rationing app come out, and then you will see much. That's going to be it. We'll see. But it's an idea. Là, je vais ralentir parce qu'il nous fait un résumé intéressant de. There's probably going to be a blockade by September, certainly before the end of the Ah year. oui. No materials. We have to get offline. We've got to move nearly 6 weeks.
and talk nothing. It was just Israel, Israel, you're so right. Bon, on reprend là. We have to get offline. We've got to move fast. This war's coming before the end of the year. It's going to be able to... Parce qu'il va se passer quelque chose d'ici la fin de l'année. Un blocage. Peut-être une invasion de Taïwan à l'occasion aussi. Mais ça, ça va augmenter le blocage puisque tout est fabriqué en Chine. Alors, allez. Déjà, la Russie, elle nous file plus de gaz parce qu'on lui tire dessus au lance-pierre, là. On l'excite bêtement. Hein. Et puis, il nous restait des fournitures chinoises. Et si on se met la Chine aussi, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer à part du gaz de schiste polluant et hors de prix américain D'où et en Afrique, on s'est fait virer aussi. On est en train de se faire virer sérieusement, ce qui n'est pas vraiment un mal, à part qu'on se fait virer pour... On était calife et il y en a d'autres qui veulent être calife à notre place. Bon, ouais. Pour l'instant, je ne suis pas sûr que ce soit le peuple africain qui jouisse enfin de son autonomie là, à la suite de notre départ. Qui n'était pas plus mal, mais enfin bon, on a instauré et toutes des hiérarchies de régnants francs-maçons, et ces francs-maçonneries-là sont internationales, donc que ce soit nous ou d'autres qui sont officiellement coloniaux, si on peut dire, ça ne change rien à mon avis, vous voyez. C'est les peuples qui vont, les peuples respectifs vont gagner ou perdre, mais les peuples respectifs coloniaux vont gagner ou perdre, mais les peuples africains vont rien voir changer. Je crains fort. Reluctantly, Eric Prince. He should know. He's been working with China for a long time. There's probably going to be a blockade by September. So, alors, il pense que d'ici septembre, on a droit à un blocage. Before the end of the year, we'll see. En tout cas, d'ici la fin de l'année. But it's a 90% blockade. And ben, 90%, il pense. Hein. My friends are talking to Taiwanese people, and they say the same. It's on. Et ses potes à lui disent la même chose. Once that happens and if things go south. Ses potes, c'est-à-dire ses sources dans la finance ou dans l'économie ou ailleurs, hein, dans les renseignements ou dans le journalisme, dans les enquêtes. Hein. Et des gens qui tiennent debout, quoi, en général, hein, qui ont du background et dont l'analyse est fiable. Et quand on vous dit en Iran, c'est l'horreur, la restriction et tout, il nous montre, lui, des vidéos de prises dans la rue dans les capitales iraniennes, dans laquelle, je sais pas, vous dites, mince, ça nous rappelle la France d'il y a 20 ans, quand elle était encore un peu normale, je veux dire, sixième puissance mondiale, quoi, genre un truc comme ça. Est-ce qu'on n'est plus, hein? Non, ça, je ne pense plus qu'on le soit du tout. On n'est plus à aucun niveau. Éducation, liberté de la presse, sanitaire, militaire, économique, financier, je ne sais plus. Je ne sais pas où c'est qu'on est au premier poste. Bah, peut-être pour la corruption maintenant. Quand vous avez un gars qui va faire des discours anti-corruption et qui fait partie du gouvernement, vous dites, bon, là, il y a sûrement un gag là. Quand même. Bon, on y va. Quick, hyperinflation, supply chain cut off. Donc, ça mènera à une hyperinflation. Une coupure des chaînes d'approvisionnement. Then you will see your Israeli food rationing app come out, and then you will see money. Un problème de nourriture en Israël, ou je sais pas. Quite possibly. Et une loi martiale, non, c'est autre chose qu'il a dit. Hyperinflation, supply chain cut off. Then you will see your Israeli food rationing app come out, and then you will see martial law. Quite possible. Oui, ben, je sais pas, rationnement alimentaire israélien, ou je comprends mal. Bon, c'est pas grave. Pas sûr, mais c'est. On continue, on ne va pas s'arrêter à chaque fois que j'ai un problème non plus, hein, parce que sinon ça ne va pas s'en sortir. Et donc, après la loi martiale, pardon, excusez-moi, alors, loi martiale ou le dernier plan de Tedros Amadeus, pas Mozart du tout, de l'OMS, de justifier une loi martiale sanitaire à la suite du monkeypox. Monkeypox, monkey. C'était une chanson de Peter Gabriel. Reprenons. The tanks on the streets. We don't know. We'll have to wait and see. But shot the monkey.
Ouais, c'est plutôt ça. Reprenons. That's a possibility. That's why I push so hard for offline materials in. Donc, ça, c'est une possibilité, tout ce qu'il nous prévoit là. Et donc, c'est la raison pour laquelle il nous pousse autant à créer du matériel qui puisse être consultable hors ligne. Hein. Internet goes down. Avant qu'Internet s'effondre. Three weeks, it'll pop back up on the World Wide Web too, and it will look like a... Avant qu'on tombe dans ce World Wide... ce web WWW 2.0, on va dire. The Fox Disney cable. C'est très semblable après aux chaînes câbles de Fox ou de Disney. News Network. Et autres news. Netflix, peut-être. You won't have access. You won't see people like me and it'll all be gone. Vous ne verrez plus rien d'autre que ce genre de truc-là. Les gens comme Brendan O'Connell ou possiblement moi aussi, vous ne les verrez plus. You will have to then actually apply to have a license to go online. Literally. À moins d'avoir une licence pour émettre en ligne, une licence qui ne vous sera accordée, évidemment, que si vous respectez la doxa gouvernementale. That's what's coming. I'm going to expose to you Julian Romanelli working with the associates of General Flynn. Donc, maintenant, il va nous l'exposer, cette Julian Romanello, qui travaille avec le colonel Flynn, qui va en prendre plein les dents. Hein, là, mes chers amis que Trump, cutistes, vous allez... Déjà, j'ai une petite vidéo d'un quart d'heure sur les 50 personnages crypto-casars qui entourent Trump, quasiment tous Shabbat Lubavitch ou presque, ou avec des profondes accointances. Defense Intelligence Agency fraud. Alors, donc, si on reprend lui ce qu'il dit là. That's what's coming. I'm going to expose to you Julian Romanelli working with the associates of General Flynn. Donc, elle bosse avec les associés du général Flynn. The Defense Intelligence Agency fraud. Avec les agences de renseignement de la défense. Fraud to sell out to the United States. Et ce plan d'escroquerie politique, comment on va dire? Ben, leur Black Ops, Dinologie, le Shadow Banning, et autres, comment on va appeler ça, des attaques ou des stratégies de gestion de l'information. C'est en tout cas un but d'ingénierie sociale. Hein. The fraud of frauds doing his Theosophical Society prayer. Lui, donc Flynn, cette fraude de chez fraude, qui a fait carrément toute une prière scientologique, non, théosophique. The Defense Intelligence Agency fraud to sell out to the United States. The fraud of frauds doing his Theosophical Society prayer. Cette prière de la société théo. Excusez-moi, mais je répondrai pas. C'est de la pub théosophique. Donc, c'est HPB, Elena Blavatsky, qui a fait les études et mis les fondements de cette société théosophique. Il y avait un autre nom auparavant, c'était la Théo, je ne sais plus. Enfin bon. Et par la suite, ça a été repris par Annie Besant et d'autres et transformé en Lucifer Trust. Hein. Mais pour moi, HPB, Blavatsky, c'est... c'est la guide qui a exploré, l'exploratrice, la guide qui nous a rapporté le décor. Elle ne nous a pas affiliés à quoi que ce soit. Les autres se sont affiliés aux stratégies et aux politiques, si on peut dire, aux doctrines édictées par les entités qu'ils croisaient dans ce monde-là. Donc, affiliation aux bases astrales, quelque part, avec des grands renseignements et ceci et cela, mais c'est comme pour la cabale... de Madonna à l'époque, vous apprenez la cabale, mais l'arbre de Séphiroth, il est inversé. Donc, tout ce que vous voulez faire ne fonctionne pas. Par contre, le fait de s'en servir, ça vous a irradié. Bonjour, bonjour. En anglais, on dit the deceiver, deceiver, c'est-à-dire celui qui trompe. Hein. Tout ça, ça vient de l'ex-dark overlord, l'ex-surseigneur noir. Et c'est le grand trompeur. Bon, raison pour laquelle c'est le porteur de lumière extérieure et raison pour laquelle on ne va pas vers la lumière extérieure, on va soit à la recherche de notre lumière intérieure qui est en ligne directe avec la source. En tant que petite fractale, on va dire.
sans prétention, hein, toute humilité, mais néanmoins. Alors, on reprend. Et avec le franc-maçon du 33e degré, Clay Clark, C-L-A-Y, plus loin, C-L-A-R-K. Et à la fin de tout ça, eh ben, vous saurez vraiment qui elle est maintenant. C'est devenu un agent du Deep State, quoi. 100%. D'une partie du Deep State. Now, before we watch some of this video, where you're going to hear Julian's friends talk about the Muslim Brotherhood, and Julian's going to sit there like this guy. Bon, il va nous montrer deux, trois trucs. En fait, là, on ne va pas insister là-dessus. Il a rectifié sa vidéo pour qu'elle puisse être diffusée sur YouTube. Il reproduit des tweets, a priori, de Julian Romanello, et dans lesquels là, il confirme ce qu'il nous vient de nous dire à son propos. Julian could not explain how I get past Michael Chertoff, private Israeli company handling the Department of Homeland Security database, and who was instrumental in the 9/11 murders. They were the premier of Sicario too. I said national security does not leave their mouths. It's all we talked about. This is how they're approached, coddled, patted on the head, and told how to operate. It gets it. No national. The word. Don't talk about the Russia-Israel-China connection, the Belt and Road, North Central. Blah blah blah. After all she talks about on Facebook is all the stuff she takes off me. You're a hero, Brandon. Thank God it was the icing on the cake. I get it. Israel Central. Blah blah blah. They don't talk about Microsoft Windows core coded in Israel. Donc là, il répète le fait qu'elle n'a repris aucun de ces germes du mal sur lesquels il travaillait couramment. De chacun de son côté, mais auparavant, que ce soit Brandon ou Julian, et ce sur quoi ils étaient bien d'accord, avant qu'elle ne vire sa cutie. Elle ne parle plus du cloud Jedi en Israël. Elle ne parle plus de la connexion entre la Chine et Israël et la Russie. Ne parle plus du 11 septembre 2001. Rien. All these buzzwords or shit words, don't... Elle répète sans arrêt ces mots qui buzzent et qui sont de la daube. Je pense actuellement la Muslim Brotherhood, hein, la fraternité islamique, les frères musulmans. Voilà, pas. Resonate with anyone, no one gets it. No national, the word national security doesn't leave their mouths. Elle ne parle même plus de la sécurité nationale. Et c'est comme ça qu'elle a été approchée, modifiée, told how to operate. Et rebriefée sur la manière dont il fallait qu'elle travaille. This is the way it's done. They've tried it with me. It hasn't worked at all. No one tells them what to fucking do. Listen, when the senior member of the Finks, one of the most violent biker gangs in Australia, I had a go at me. I took a button. I said, I'll gouge your fucking eye out and gouge your brain out. They removed him for his safety, not mine. Chose à laquelle lui, Brandon, ne se soumettrait pas. Et il nous cite une histoire de son passé durant laquelle, justement, il a fortement fait opposition. Bon, c'est quand même un grand gaillard assez costaud. Et voilà. Il est très pacifique, hein, mais vous ne le manipulez pas du bout des doigts. Il faut s'y mettre à trois, quoi. And they asked, could you apologize to Stephen Wallace? I said, tell the fucker to go fucking. De toute manière, je répète là, mais sur son site, il nous propose un PDF de 500 mégaoctets au moins, à peu près, ou 350 ou 500, sur son dossier professionnel, quoi, hein, dans lequel il prouve tout ce qu'il avance à propos de sa vie. Et c'est pointu. All right. They then had to set fire with their goons on me, broke my arm, did that, didn't utter a word, got a lot of respect. Steve Wallace was my move for his safety. I said, if I ever fucking find you, I'm going to fucking kill you. Ils lui ont même tordu le bras et blessé lors de son arrestation. Et finalement, ils ont bougé l'autre personne pour sa sécurité à l'autre. I went back down to anybody, ever. If I heard now they got spent $600 on a hit team to come get me now, I'd be rejoicing, working out a way. Alors, il dit aussi deux, trois fois lors de cet épisode-là, pour l'instant, ils ne m'ont pas flingué, pour l'instant. That's literally how I think. Mais donc, il nous stimule à y aller, aller rentrer dans le tas, là, mettez les mains dans la pâte, construisez, bâtissez les réseaux et construisez des bibliothèques de savoir consultables hors ligne et qu'on peut s'y proposer. Parce qu'il faut aller voir les gens responsables, hein, qui sont au courant de rien, hein, les blaireaux qui ont cru qu'eux, et qui seraient
de bonne constitution, hein, parce qu'on ne généralise pas en disant qu'à 100% tous les hommes politiques sont corrompus. Hein. Mais ceux qui ne sont pas corrompus, vous les verrez rarement avoir le poste de direction. Et voilà, vous les verrez plutôt rapidement mis au placard, d'ailleurs, en fait. Talk speak, I'm ready. You fucking bitches. I've been alone. En car, c'est aussi, c'est Deborah Tavares qui en parlait, c'est aussi une stratégie qui est appliquée au niveau politique locaux, petits, hein, locaux. Vous pensez que de participer au conseil municipal, ça vous permet de discuter, de faire valoir des points de vue. Quand ils ont décidé quelque chose là-bas, dans le Deep State, et que le sujet arrive des années plus tard, par une directive européenne, machin, en anglais, avec la moitié du personnel politique local qui ne parle pas l'anglais, etc., etc., mais que vous avez fait le travail et que vous avez amené l'idée comme quoi, par exemple, le Wi-Fi n'est pas bon, quoi, hein, les Linky, ce n'est pas bon. On vous fait discuter, on vous fait croire pendant toute la discussion du réunion du conseil municipal que, voilà, vous avez pris le problème à corps et que vous allez vous en sortir. Et à la fin, peut-être vous serez même à la tête d'une petite, un petit groupe de travail qui va s'occuper de ce problème-là. Mais à la fin, il va y avoir une autre directive, plus une autre directive, plus une autre incapacité. Vous ne pourrez pas empêcher, par exemple, si on regarde l'exemple des Wi-Fi, les Linky de se mettre en place. Bon, maintenant, au niveau personnel, vous pouvez, hein, Enedis perd tous ses procès. Hein. Vous pouvez exiger qu'Enedis vous remette un compteur à l'ancienne. Hein, ils ont triché, ils ont menti, ils ont volé, et c'est nocif, donc ils nous empoisonnent. Donc là, il y a encore un autre truc. Hein. Et il y a moyen de gagner tous les procès contre Enedis. Donc, bon, ça, c'était un encart positif, pratique. Mais bon, pour mon exemple, c'est l'histoire de dire, ils savent vous faire croire que vous avez de l'importance, et malgré tout, à la fin, au bout de 5 ans, vous allez lâcher l'affaire. Ça mène à rien, il y a des blocages, il y a une nouvelle loi écologique, ce que vous vouliez faire par là, ça va être interdit. Voilà, vous voulez faire un centre de distribution bio et puis on va vous mettre une loi sur le fait qu'il faut que toute la cuisine soit en inox. Donc, paf, vous n'avez pas les fonds, vous êtes obligé d'abandonner à cause de cette loi européenne, l'Europe à laquelle on n'a pas adhéré normalement, mais ce n'est pas grave puisque vous voyez, on nous fait faire n'importe quoi tel qu'ils le veulent. Au détriment de la réalité elle-même. C'est très très fort. C'est-à-dire que quand on est petit, on espère qu'on va vite grandir de façon à avoir de l'importance et de l'impact sur la vie, puisqu'on voit bien que les adultes, c'est du nawak. Et puis quand on est adulte, eh bien, on est encore à la même situation. Vous voyez, on est encore dans l'incapacité, parce que même quand on participe à une discussion, à la fin, on ne nous a pas entendu et ce qu'on voulait dire, ça a été oublié. Voire contredit, dénié, ridiculisé en plus. Même en tant qu'adulte, hein, c'est ce que je viens de vous illustrer avec ce que nous dénonçait Deborah Tavares dans la manipulation des groupes d'opposition dans les politiques municipales locales. Reprenons. Bon, lui, il n'est pas effrayé de mourir, il espère qu'on ne l'est pas non plus. Moi, je rajouterais là-dessus. De toute façon, soit là vous obéissez et vous mourrez, soit vous résistez et vous risquez de survivre. Ah ben oui, ça c'est sûr. Hein. Les gens non spritch sont en meilleure santé que les gens spritch. Et actuellement, là, c'est 9 sur 10 qui meurent sont spritchés. 3 fois, des fois. 4 fois, des fois. Donc, et puis ils veulent quand même appliquer ça aux enfants. Est-ce que parce qu'ils nous annoncent le crime, ils vont être exonérés de la justice ou quoi? C'est quoi cette idée-là? Oui, je sais qu'au niveau subtil, New Age, hein, ils nous annoncent les choses à l'avance de façon à ce que si on les accepte, le karma négatif, c'est nous qui le prenons en charge. Ils se délestent de leur karma négatif en faisant en sorte que le public accepte, les actes criminels que eux commettent. Ouais. Donc, non, tends pas l'autre joue, non, on pardonne pas. Voilà. Parce que si vous faites ça, ben vous suivez le règlement qu'ils nous ont inculqué,
appliquer, obligé à suivre dans les religions qui vous poussent à admettre la faute criminelle de l'autre et à vous en charger du karma. Ah ben oui. Donc, tout ça, c'est très bien travaillé. Hein. Mais ce n'est pas la première fois que c'est mis en œuvre. Et si, ils le travaillent depuis des milliers d'années. Hein. Qui nous disait, c'est un plan de 5 millions d'années. Alors. Et puis, je pense qu'on n'est pas la première planète à subir ça. Hop, oh, non. The shit you haul. Are you teaching Mexicans how to kill each other in Central and South America now, Fort Bragg? You're on your knees sucking Israel dick, aren't you? You little Zionist faggot. Sorry, I apologize for that language. Bon, là, il est un petit vitupérant. Il s'excuse d'ailleurs de son langage peu châtié. And all the other shit you get up to with Clay Clark, all the drug money laundering you do with his... Clay Clark, tout le blanchiment de l'argent entre Israël, la Russie, les églises évangéliques. Il aimerait vraiment que les bérets verts comprennent tout ça et se mettent de notre côté. Alors, petit encart, c'est bien. Hein. Je pense aussi que stratégiquement parlant, ça paraît logique et obligatoire de passer par... le fait que les forces de l'ordre se rangent de notre côté et donc de les convaincre en ayant des preuves. Hein. Bah, attendez, il y a des enquêteurs, là, c'est pas des abrutis, de leur côté, ils voient bien qu'on a raison. Quoi. D'ailleurs, si vous suivez le site Police pour la Liberté, là, de Sonia Vescavez, je sais plus, Vescavelli, vous comprenez, elle a le même discours que moi, c'est magnifique. Elle nous résume la pandémie en 10 minutes, hein, avec tous les points, hein, le masque, les tests faux, les mauvais médicaments, les interdictions, les faux chiffres. D'ailleurs, si ça marchait, pourquoi ils tricheraient sur les chiffres? Enfin bon. Et actuellement, il y a pas mal de responsables qui admettent qu'ils ont été manipulés, ils espèrent se faire exonérer là, comme ça, ou ils se foutent de nous là. Parce que pendant 2 ans, et puis, c'est pas fini, hein, puisqu'il y a un nouveau groupe commando d'experts, hein, parce que ceux d'avance, les apprentis, les stagiaires, c'était quoi? Delfrécy, en fait, c'était qui? C'était un prétendant au poste, comment on appelle ça là? Un universitaire suppléant? Non, il ne me semble pas. Donc, qui peut être maintenant plus à point que ces soi-disant ex-experts qui ont fait n'importe quoi, hein, et dont le travail n'a même pas été parfois mis sur le papier. C'est pas possible, ça. Il ne peut pas y avoir des décisions gouvernementales au niveau d'une nation qui ne soient pas fixées sur le papier. Vous ne pouvez pas discuter de choses comme ça, et après, sans les justifier. Quoi. Et sans qu'il y ait de responsabilité, dans les archives d'une nation, ce n'est pas possible, normalement. Hein. Bon, ou elle a été piratée. Ah, mais peut-être qu'elle a été piratée. But we'll go for every second of the day. Green Beret, 20 years. Mais pas que la nôtre. I've just got his record, man. This guy's a badass. Very smart guy. Very smart guy. Very, very smart guy. You'll know him as Harry. We're going to be talking very regularly with him soon. Very regularly. Anyway, bon. I've not even watched the video, not the whole thing. It bores me shitless. But I'm relying on it. I might go to a shooting war. How about global thermonuclear war? After COVID, the 2 pro. Say thank you, because you're going to be too lazy to edit it out. So what I'm going to do is I'm going to put this on YouTube first. And then when I've calmed down tomorrow. Bon, il se calme là, vous voyez. Il nous dit que bon, il va nettoyer un peu la vidéo qu'il vient de faire en live avant de la mettre sur YouTube. C'est sur YouTube que j'ai trouvé. I'll edit it up for I'll edit it up for YouTube. I'm gonna have to edit it. Not gonna last on YouTube. It's gonna be... Non, parce qu'il est cru des fois, hein, dans son vocabulaire. War soon in September. Fucking war. Might go to a shooting war. How about global thermonuclear war? Il en arrive à imaginer même une guerre nucléaire globale en septembre. After COVID, après le CV19, pendant 2 ans, years, et même plus. Vous ne pensez pas que c'est possible? 2 ans à propos de n'importe quoi qui ne tient pas debout, et 2 ans d'application de ces mesures et de ces attitudes, et de ces pensées, de ces tricheries et de ces meurtres. Rivotrilé ou hyperventilé, là. Ventilé sous pression, ça tue aussi. Ou mal soigné avec des mauvais dosages. Ou spritché avec des produits interdits à l'utilisation sur l'homme ou l'animal. Sur l'animal et sur l'homme, le graphène. Mais il y en a dans les produits là. Attendez,
C'est quoi cette affaire? Nuclear, full-blown nuclear war? Do you think it's impossible? Alors, il nous demande vraiment, est-ce que vous pensez que c'est impossible? These people are not terrified, scared. And we've sat around like fucking morons, fucking about. Bon, c'est vrai que ça peut faire partie de l'ingénierie sociale, mais actuellement, en Australie, aux États-Unis, ils passent des émissions « Comment réagir à une guerre nucléaire ?» quoi. Ouais, un problème de radiation. Comme ça, hop, bon, évidemment, ça peut être un travail. Pour ceux qui sont trop new age pour se confronter à la réalité, qui ne veulent pas penser aux problèmes parce que ça pourrait les créer, eux qui planent là, parce que c'est des problèmes qui existent déjà. Ils existent déjà. Et vous pensez que les sauvages sur l'île, avant de se faire envahir par le débarquement des Espagnols conquistadors, par exemple, vous pensez que les sauvages sur l'île, ils étaient là en train de penser qu'ils allaient se faire envahir? Ils ne savaient même pas que ça existait, les bateaux de cette taille-là, les chevaux, les fusils. Vous pensez qu'ils ont imaginé tout ça? C'est quoi, là, le problème, là? Et puis, comme pour le centième singe, je suppose que vous êtes donc tous bon musicien, bon cuisinier, même chirurgien, parce qu'il y a quand même plus de 100 chirurgiens sur Terre, il y a plus de 100 cuisiniers d'élite, et de musiciens, et de danseurs, et en fait, vous savez tout faire. Ben oui, le centième singe s'est passé dans le collectif commun, il y a qu'à se brancher, puis on sait le faire. Donc, vous le faites? Non, non. Non, il y a un trou. Peut-être que c'est passé dans le collectif commun, mais nous, on ne sait pas y accéder en général au collectif commun. Il y a 3 personnes qui savent le faire, elles font des vidéos, ça lance, c'est soutenu par la CIA, c'est la pensée positive exacerbée parce que c'est la pensée magique, mais elle n'est pas à notre disposition. Ils nous montrent des Porsches, mais nous, on est en vélo. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas la Porsche, je ne dis pas qu'on ne peut pas rouler à 240 km/h. Je dis que nous, on ne peut pas. Voilà, bon, reprenons. When Brennan, especially those of you who know, have been begging and screaming, we've got to get offline materials. The internet isn't going to last. Voilà. Get offline materials. Maintain the narrative. Get people the basic information. So... Il faut donner aux gens des informations réelles et basiques. Internet va lâcher. Il nous faut avoir du matériel en ligne extérieur. Table web pages. Turn it on. Pas en ligne, hors ligne. In the PDFs, archive material. Faites du matériel archivé, des PDF, édité. Bon, moi je parle. Mon imprimante, elle est sèche depuis des années. L'encre a séché d'une manière rapide et efficace. Je l'ai un petit peu nettoyée à l'acétone, ça ne marche pas très bien. Enfin, entre ça et les arnaques sur l'encre, les cartouches d'encre et tout ça. L'encre, c'est un des produits les plus chers au monde. C'est peut-être à peine moins cher que l'adrénochrome, quoi. Je plaisante pas. Non, si je plaisante, je n'ai pas comparé les prix. Je ne les connais pas. Put the videos on, get those big DVD burners. Voilà, faites des DVD. Si vous faites des DVD, sachez avoir un moyen de les lire par la suite. Hein. Donc, une fourniture d'électricité autonome et tout ça. Hein. Et du matériel informatique qui n'aurait pas été niqué. Grillé par une MP quelconque, qu'elle soit militaire ou civile, ou solaire. Un événement de Carrington, là, quand même, ça va limiter la production industrielle le lendemain. Et en plus, pour reconstruire un transformateur électrique d'une grosse taille, permettant d'alimenter une usine, il faut construire plein de petits, et chaque fois de petits, de suite de petits, qui permettent de construire un peu plus gros, dont la suite permet de construire un peu plus gros, on arrive de nouveau au niveau qu'on a aujourd'hui. Donc, ça peut durer entre 2 et 10 ans, cette transition de récupération industrielle, à partir du moment où, un, on a le matériel pour construire tout ça, et deux, où il y a encore des gens qui savent faire ça. Parce que c'est pareil aussi pour tous les vieux métiers, là. Il n'y a plus personne qui sait faire une roue maintenant. Enfin, si, il reste 3 personnes, quoi. Ou un panier, ou plein de vieux outils qui seraient indispensables à une agriculture sans électricité, sans tracteur, sans pétrole.
Et moi, je suis pour l'agriculture sans tracteur, hein, parce que ça tasse la terre. Je suis pour plutôt la version permaculture. Hein. Mais bon, il faut une transition. You better hope and pray that there are Colonel Andrew Kernan and his friends in between shaving their legs and wearing high heels are actually going to do something about this. You better hope Julianne Romanello meeting, and you better kick her in the fucking ass. Another one of these meetings and talk to the knows, FBI knows, Facebook fuck, piece of garbage. Bon, vous m'excusez, mais je saute comme ça, là, un peu, parce que bon. He should be in jail for treason for what he's done. He's a Zionist whore shit of the Defense Intelligence Agency. We want to know, Julianne. We want to know who your powerful friends are. Who are they? They're associates of the Defense Intelligence Agency. Donc, il parle d'associés de ces agences de renseignement. Michael Flynn. Pardon. Ok, Michael Flynn, il faut que je fasse une pause. Là, je suis étouffé par je ne sais pas quoi. Excusez-moi, je reviens tout de suite. On reprend donc. Associates of the Defense Intelligence Agency, Michael Flynn. Michael Flynn, hein, cet associé des agences de renseignement. Who is a fucking filthy, dirty Zionist, Zioniste, or butt-licking piece of garbage who should be in jail? Et une pourriture. Or treason. Qui devrait être en prison pour trahison. What he's done. Pour tout ce qu'il a fait. He shafted Donald Trump along the way because Trump. Il a soutenu Trump. Trumpy wouldn't play ball. No one. Parce qu'il savait que Trump, enfin, il a accompagné Trump parce qu'il savait que Trump ne jouerait pas complètement au jeu. Il n'a même pas réussi à faire en sorte que Trump fisse ce qu'on voulait qu'il fasse. Et maintenant, on parle de DeSantis, qui est aussi un serpent. Trump soutient Israël. That's why they got rid of him. I said, okay, this is not working out. Heinz Kissinger, we're supposed to pull out. C'est pour ça que je le soutenais plus. Ça allait pas le faire. I don't come back and do all these things. C'est la suite de Kissinger. Je crois. Didn't quite work out. All you're going to get is a stupid t-shirt off Julian. Jump in there and we'll make sure that you're none of them are losing their wives, their kids. It's tragic, right? But I'm just speaking cold Kissinger type politics. It's tragic. It really is. It's horrible. I haven't seen war myself, but I've seen really bad accidents. I've seen people screaming on trauma tables. It's not quite, you know, the horrible carnage of combat, but it, you know, it comes kind of close. It's horrible. Let alone seeing combat. Non, mais ces gens-là, en clair, ils ont décidé de tailler dans le vif de la masse populaire sans pitié. I've worked in children's hospitals. I doff your hat to anyone that works in a child's hospital, children's hospital, very, very scary. There again, if the US does its job, it could end it very quickly too. It's just a matter of how they're going to run this. How much is theater and how much is the US is ready? Benny's already said we're going to war. He's got le nez, mais il ne prend pas. He said it outright. We are going to war with Russia. Donc, ils nous ont averti qu'ils allaient rentrer en guerre contre la Russie et la Chine. There's massive mobilizations going on. They're going into the Middle East. God willing, they're going to occupy Palestine. They're going to occupy Israel. So, massive supply chain cutoffs, hyperinflation, food rationing apps, they'll be Israeli, and compulsory wartime powers act vaccination. With that, no movement out of home and a highly controlled infotainment internet. When it comes back up, maybe months later, you'll be biometrically. Donc là, on répète les mesures et les prévisions. Matched. L'état du net. The internet will be deemed a very dangerous thing. You'll have to be licensed, like a forklift driver license or a car. You'll have to be licensed, like having a fire. The internet will be dangerous, so you must be licensed. You must be a responsible adult to be able to go on. Yeah, that gets down to your social networks. Well, all you people that thought you'd go on 4chan and 8chan and bit shoot and abuse and say you're going to kill all the Jews and go on Telegram, well, guess what? All that's coming under control. It's all gone. So I hope you're happy. Got any offline materials to play with? Tout le matériel en ligne sera contrôlé. We can give to friends to keep the narrative alive. Have we? A few people are working on it. I suggest you hurry up. I'm not doing it. I'm tired of doing it. I want a vacation. Can you see it? Just go away now. Just fuck off. Just leave me alone. Go fuck yourself. Je sais pas. Then I'm just going to calm down and just want to work on my health. Il se calme. Shit on my mind. And I just want to, instead of taking it out on you and screaming at the camera. And... Donc là, à l'époque, elle disait qu'elle avait gardé Clay Clark. Et le mouvement de libération de la santé à distance, parce qu'elle pense qu'en fait, il profite de la situation actuelle. Par exemple, ça n'a sûrement plus un discours qu'elle aurait aujourd'hui, Julianne. She's not going to mention cancer in women, ABC, big buildings. She's probably just as freaking dangerous. Have you been told to not use the term Israel or Zionist in your post? Est-ce qu'on lui a pas dit maintenant de ne plus jamais utiliser le terme Israël ou sioniste? Things on Facebook now?
voire NSA. Do you hope to have a slightest scintilla of credibility after this horseshit you just put up? Est-ce que tu penses, toi, Juliane, que tu vas encore avoir un... C'est Juliane, hein? C'est pas à Saint-Charles. Julien. Est-ce que tu vas avoir encore un brin de crédibilité après ce coup de pute que tu viens de nous faire, là? How many people are actually going to watch your video? 300 people? 200 people? God, where is it? I can't find it. Et il nous dit... Sortez de cette mode ridicule. Donc là, il y a un extrait. Hein. What's up, y'all? Alors, c'est le gars qui se fait un selfie en live. On the last day on Earth. C'est le dernier jour sur Terre. Just don't fuck up. Souscrivez. Like and subscribe. Poussez le bouton like. We're out here. Salut. Ah! Hein? Et bon, on le voit tout seul au milieu de plus rien du tout, quoi. Tout bousillé en feu. Et le gars, il est le dernier en ligne, il n'y a même plus de ligne d'ailleurs, et il dit quand même n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner. So anyway, here's Julianne Romanage, new friends with high-level contacts. I presume they have it all under control. Yeah, I've kept, what was this, April the, whatever it was. Can't see the date. Yeah, I've kept Clay Clark and the health freedom movement at a distance because I think they are, wittingly or not, setting up to benefit from impact ESG investing. You see, Clay Clark's a fucking hardcore Zionist, Masonic piece of shit, money laundering, Sabbatean Frankist with his little, I'm a hardcore Christian, but I hang my titties out and I do drugs, wife and girlfriends. You ever notice these people could quote the Bible backwards and forwards, but they're all little sex fans? Did they not also read the sections of the Bible about dressing modestly? Don't get me wrong, right? Fuck, bring out show. Hey, I'm a red-blooded Scorpio. But if you're going to spread off the effing Bible, I strongly suggest you also read the verse about dressing modestly. Just saying. Pass the synagogue one day. Bon. To produce offline materials. She and her powerful, connected, high-level people. Oui, parce qu'il dit, elle, maintenant, qui a du réseau et qui est connectée à des gens qui ont du pouvoir et de la pépette, qu'est-ce qui l'empêcherait, justement, de faire une maison d'édition de tous ces PDF et autres matériels qu'il faut donc préserver, dont il faut préserver la possible communication et consultation hors ligne, hein, en clair. La disponibilité pour un public nouveau, voire pour nous, pour les sources, pour se rappeler de temps en temps, quoi. Pourquoi j'ai les disques durs, en fait. Parce que je n'ai pas tout vu, tout ce qu'il y a dans les disques, d'une part, et d'autre part, parce que ce n'est pas pour moi, hein, c'est comme un témoignage historique d'une réalité de l'histoire, en tout cas, selon mes vues, qui sont a priori toutes vérifiées au fur et à mesure que le temps passe. Ça se vérifie, ça se conforte. Et il y a des choses dont on rectifie l'image que l'on en avait, mais on n'efface pas l'image en général. And someone told me it includes fucking going to conferences with Max Flat Earth Egan and James Corbett. It's always the usual stuff. Les Max Egan, les groupes de Terre plate, les Joe Rogan. All right, look, Romanello's gone, Chip. Et maintenant, Julian Romanello, quoi. C'est tous les suspects usuels. It's a fucking joke, right? Forget it. But anyway. Go there and stir up some trouble and make her very uncomfortable. Ben, c'est-à-dire les médias alternatifs qui ne sont pas tant alternatifs que ça. Quoi. Les oppositions contrôlées. Powerful, connected, high level need to encourage and produce websites, offline guides, information on lobbying politicians stand. Oui, encore, je disais aussi, hein, si on avait des mécènes, il y a longtemps qu'ils auraient créé un groupe d'avocats, un groupe de protection, hein, de garde du corps, pour protéger les lanceurs d'alerte, déjà. Hein. Ils auraient fait sortir de tôle tout ce qui était pour des raisons fausses. Ils auraient, je ne sais pas moi, vous voyez, si vous êtes milliardaire, vous passez 500 millions là-dedans, il vous reste des milliards. Hein, je veux dire, 500 millions, c'est que la moitié d'un. Si vous êtes multimilliardaire, c'est rien du tout. Et en plus, très vite, vous pouvez de toute manière en retirer un bénéfice, puisque vous gérez vos affaires en banque et en bourse aussi, et... Toute activité amène des gains. Vous savez le faire, en tout cas. Puis vous pourriez monter d'autres mécènes avec vous et tout ça, puisque c'est des familles qui luttent entre elles et qu'il y a un changement de paradigme entre la politique appliquée par les grands-parents, les Illuminati, et les petits-fils d'aujourd'hui.
Même si les petits-fils d'aujourd'hui continuent la même bataille interne, intra-illuminati, si on peut dire, intra-différents groupes qui existaient de tout temps. Co-opted and spun in circles. We have had endless talks and links for 20 plus years. Oui, on a assez de matériel pour être consulté pendant les 25 ans à venir. I had begged endlessly for offline materials, full-time graphics designers, website designers, all the things you need to do politely every second day. Quote, what is needed is a focus on offline materials. War is coming and supply chain breakdown and who knows? Donc vraiment, il insiste, hein, il nous faut du matériel hors ligne parce que la guerre arrive, quoi. What else, including... Le crash arrive, le crack. Ben, ça va être un reset sans repartir, là, a priori. Ou en tout cas, vu qu'on va passer par un reset, quoi qu'on y fasse, on le digérera la transition le mieux possible si on s'y est préparé, nous, là. Mais sinon, il va quand même y avoir un sérieux changement. De toute façon, les 20 millions ou 30 millions de personnes françaises qui se sont fait spritcher, là, il en reste jusqu'à 50 vies, hein, il semblerait, hein, dans le meilleur des cas. Ben, plus ou moins, surtout s'ils ne se traitent pas, surtout s'ils renouvellent la situation. Surtout s'il reste dans des bains de Wi-Fi. Et il nous dit aussi, est-ce que vous êtes tous en train de flipper sur la 5G, mais est-ce que vous avez déjà arrêté la 4G+, et la 4G, là? Non. Vous êtes incapable de vous libérer de vos iPhones et de revenir à un téléphone ancien, voire à un téléphone fixe. Parce que par la 4G, là, c'est déjà le moyen actuel de dissémination de tous ces symptômes sanitaires aussi. La création de ces symptômes, etc. We need offline materials. And I've been bleeding for five motherfucking years. Mais ça fait 5 ans qu'il nous appelle à préparer all these friends and all these meetings I've had in Tulsa. Okay, we're un réseau de connaissances parallèles. We don't have to kill you. Fiable. Okay, you're just sending you a group of people around you. It's not going to go anywhere. Oui, oui. Il nous dit aussi, vous en faites pas trop. Quand vous manifestez dans ce sens-là, ils vont plutôt d'abord vous approcher avant de vous tuer. Regardez, moi, avec tout ce que j'ai fait, ils ne m'ont pas encore tué. Pas encore. Et il nous parle encore de Patrick Bergy, qui disait, mais le but du jeu, il disait deux trucs, entre autres. Hein. Il disait, tant que Trump sert au Deep State, il sera en place. Quand il ne servira plus, ils s'en libéreront d'une. Et de deux, il disait, le but du jeu, ce n'est pas de... Ce n'est pas de gagner une guerre ou un conflit, c'est d'entretenir un état de tumulte et d'instabilité que l'on contrôle, par contre, et que l'on dirige. Voilà. Donc, en général, avec des idées de conflit au niveau des complexes militaires ou industriels, parce que ça fait tourner leur économie. Patrick Bergy knows way more than he lets on, and Patrick Bergy in private talks is way more fucking interesting than his public recorded talks. Patrick Bergy était bien plus intéressant hors ligne que ce qu'on a dit en vidéo enregistrée. I promise you, oh Patrick, many papal indulgences. Thank you for your service. Ils sont pas d'accord tous les deux sur tous les sujets, mais il apprécie sa clairvoyance à l'autre, et sa lucidité d'esprit et. Please support anyone who pushes offline materials and political lobbying. Don't get me wrong, Julianne Romanello knows everything. She knows better than me. Non, there's something she doesn't know, but generally... De manière générale, il admet qu'il y a des sujets sur lesquels elle est meilleure que lui, en plus. The really good stuff that could really change things. She's even got the Israel angle, but she won't repeat it. She won't put it in. It's always the missing link. We also need the big picture. It's no point going on and doing these things. You've got to give people the big picture. We discussed this. She agreed. She agreed to everything. Donc, à la limite, vous pouvez consulter tout le matériel d'il y a quelques mois qu'elle avait produit. Need a big picture to understand how Tulsa, Oklahoma is here and how they're doing it in every state. Why is it Israel and part of a fucking witch's cult? Bon, alors, how do I diagonal. How do I actualize it? How do I make it infinite? You're hanging around with associates of General Michael Flynn, Defense Intelligence Agency. Hello? Defense Intelligence Agency? Qu'est-ce que tu fous avec quelqu'un qui appartient au service secret de la défense? Alors que t'es une pointure. T'es devenu idiote ou quoi? Ou Israël. Est-ce qu'il n'y a pas une origine avec le pouvoir juif, Israël? Et encore, il y a Sirius Galactica ou Wilson, je pense, qui a fait une super enquête sur les Ouïghours. Il en a fait deux là, de vidéos enquête sur les Ouïghours et les représentants Ouïghours. Et il a remarqué que la communauté de lumière était aussi
dans l'environnement proche de ces gens-là une fois qu'ils étaient sortis de leur pays d'origine, en tout cas. Et que c'était quand même bizarre que ces gens-là qui étaient censés défendre les Ouïghours se promènent et soient pris en photo dans des réunions avec des gens qui promeuvent finalement quelque part constamment la même situation qu'en Palestine. Hein. Belligerent. I know, I've got to stop. I've got to get a grip on things. That's why I've got to draw back, just come into myself and relax a bit. I'm going to hang with Harry, the lads, you Hop ladies, là. any of the other stuff, you know, things are not. But Chris, now, so, I'm on my own way. Bon, de toute façon, il nous dit, là, ça fait 5 ans que je bosse comme ça, là, je vais prendre des vacances, il faut que je me calme. Surtout qu'on a dû lui dire, oh, tu fais chier quand tu t'énerves, ça nous tape dans les oreilles, ça nous agresse. Si d'ailleurs, personnellement, je ne lui ai pas dit ça, hein, mais c'est la raison pour laquelle je ne mets pas en ligne certaines de mes vidéos, entre parfois peut-être de l'ivresse, mais aussi parfois un discours qui devient trop agressif vis-à-vis d'un public qui, lui, comprend ce que je raconte et donc n'a pas à se faire engueuler. C'est ce que j'ai reproché à nombreuses personnes et ce qui a fait que j'ai arrêté de les suivre parce qu'ils nous engueulent alors qu'on est les seuls à le suivre. Il est con, lui, ou quoi? Ça va. Il nous méprise, il se moque de nous, il fait des gags. Non, 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 non. Il faut être plus précis dans le vocabulaire quand on discerne. Alors, de temps en temps, je m'étais aventuré là-dessus et je revenais en disant, bon, oui, sauf vous qui m'écoutez, puisque vous êtes au courant, vous avez compris. Mais bon, c'est pénible. Donc, il va éviter ça aussi, lui, là. By all means, read my stuff, see my struggle. Hey, be inspired, Brennan. And I am better than the sheep. How can mass murderers be exposed and no one thinks to push the issue on all the right places? Book after book showed high level pay for Supreme Court, dual policing, military serving and retired and lobbying elected officials. It was just group whining tinged with a Non, c'est bien ça. claiming every single suspect who took part in the attack dead. Now, just remember Christopher Berlin's excellent work exposing Israel 9/11, the Al-Dijanon plan, and naming every. Donc là, il reparle de l'introduction, de la participation des services israéliens au 11 septembre, avec cet État à deux parties, toujours bipartite, soit l'un, soit l'autre, mais de toute façon, les deux sont financés par les mêmes, donc maîtrisés. Pour créer une sorte de nationalisme qui, de toute manière, va soutenir l'idée du grand Israël. And it's unfolding before our eyes. Boylan did excellent work. Did he lobby? No. Donc ça, c'était Christopher Boylan qui a un ouvrage intitulé « Qui est responsable? Who is responsible? Blue size it? No, they just mentioned winter Cyber. things. That's all he did. And here we are, 20 years on. How do you think we're going to be in Ça date d'il y a 20 ans et maintenant on y est. 20 years, 25. Think anything's going to change? Nothing's going to change. Et quelque chose a changé? Rien n'a changé. And how many indictments? And you think Julian Romanello's speech will change a damn thing? Boylan never. Ah, alors, petit encart, dans les nouvelles conceptions de terrorisme domestique, si vous parlez du 11 septembre en disant que non, 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 c'est plutôt un inside job et que l'Arabie Saoudite, Israël et les agences de renseignement ou d'action américaines étaient impliquées dedans, etc., là, vous êtes considéré terroriste aussi maintenant. Hein. Deux avions, trois tours, c'est pas grave. Oui, bah écoutez, voilà. À partir d'aujourd'hui, l'eau c'est sec. Enfin, l'eau c'est mouillée, mais la pluie c'est sec. Pas surtout la pluie avec un vent d'ouest. Elle est plus sèche que celle qu'il y a un vent du sud. Ah non, elle n'est pas plus sèche. Si, si, moi j'ai trouvé qu'elle était plus sèche. Allô, de toute manière, l'eau c'est plutôt humide. Reprenons. The lobby politically with this excellent information. It's really hot in here now. It was just a link sharing and oh gosh, GabFest. There was never any pushing to get information to targeted audiences like state and federal policing, military serving and retired and lobbying elected officials. It was just group whining tinged with an arrogant self-perception of I have the super info and I am better than the sheep. How can mass murderers be exposed and no one. Comment est-ce qu'on pourrait exposer des meurtres de masse? Thanks to push the issue on all the right places, book after book. À chaque fois qu'ils ont concerné une situation particulière, un endroit particulier, un false flag particulier, on va dire aussi. High-level FBI trying to prevent 9/11. Alors qu'on avait des agents du FBI d'un haut niveau qui étaient d'ailleurs entraînés à combattre un acte de terrorisme Israeli first designer supervisor shut them down. Dave. et qui étaient aussi superviseurs en chef au niveau israélien Fresca, FIASCA, head of the Muslim Fundamental. avec des liens avec la FAA. Machine of one guy, Hal Hydra. Je vous traduis vraiment si en diagonale et en pointillé, hein, et peut-être le sens de la phrase n'est pas
celui que je dis, mais enfin, c'est des éléments qu'il cite dans son raisonnement-là, en tout cas. Hack was honest. He stopped him. Nope. Nous, on relie les points entre eux. Entre deux personnages, on ne sait pas vraiment quelle est la notion du rapport, mais on dit, on fait qu'il y a un rapport. Hein. Après, ça va dépendre du sujet traité. One will come forward in high places if the right narratives are not pushed by politically fired up common sense people. It's national security, Julianne, tell your fucking friends. National security. There's hacking the US energy grid 2018. Is Israel sitting Russia up? Israel. Alors, à propos des hackings de la grille énergétique aux Amériques, aux USA, est-ce que Israël ne mettrait pas en scène les Russes comme étant acteurs de ce hacking, alors qu'en fait c'est eux? Mais en fait, Israël, il y en a d'autres qui disent aussi, il ne faut pas oublier qu'Israël a été grandement peuplé par une intelligentsia juive russe qui a émigré, qui a fait son alia et qui s'est comporté d'une certaine manière qui n'appréciait pas ce que les autres Israéliens qui étaient déjà au pays auparavant. Donc, c'est l'idée qu'on ne peut pas généraliser. Hein, quand on parle en généralité, là, on le fait pour la facilité de la phrase, mais sinon, ça va être une phrase à encart, à tiroir, parce que Parce qu'il faut discerner au sein d'une, pour éviter la généralité englobante, fausse. I've been working to get the dumbass at the party's over. Berlin. Where did he fall down? Because he was working with German intelligence. Berlin, Moscow, Beijing access. You'll work out Berlin. I can never understand why he never went further. Alors là, en dessous, il y a un site de droite géré par un nordique là. Et lui, il dit aussi, mais lui, c'est pareil. Hein, maintenant, c'est comme Corbett. Ils vont jamais parler des sujets qui fâchent. Mais d'un autre côté, leurs enquêtes sont pointues. Hein. C'est comme Alex Jones aussi, ses enquêtes sont pointues en général. Sauf qu'il y a des sujets dont ils ne parlent jamais. Et que ça, ce n'est pas normal. Ou c'est normal à condition de considérer ce que ça veut dire. We did our best. Here is American Jewish activist Jeremy Rothschild ambushing every damn presidential hopeful on the Pentagon Jedi clouding and Israel. Bon, they didn't have a thing saying Israel Steve. I need to maintain my mental and physical health. I want to shrink back and just quietly go alone, making videos and making enough money to pay at the parties. It's a science. There may not be much time. This post is available. Donc, il nous parle. Je vais agrandir l'image. Il nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la situation de Julian Romanello? On la débunk et on l'ignore, ou au contraire, on est sympa avec elle et on demande à elle, ainsi qu'à ceux qui ont le même parcours, on va dire, et à leur réseau d'amis hautement connectés, de s'assurer que tout ce matériel qui jusqu'à auparavant était le leur, soit mis de côté, sécurisé et exposé au public. C'est-à-dire, on va voir madame et on lui dit « Bravo, j'apprécie beaucoup ton travail, j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup que tu nous rappelles ce que tu disais à propos de TAC, hein, justement, par exemple, du pouvoir israélien ou des gangs de cartels bancaires, ou, etc. etc. » Voilà. Et on peut faire peut-être pareil chez nous aussi avec ceux d'entre nous, les lanceurs d'alerte ou éveilleurs, alerteurs, diffuseurs d'informations en gros, quoi, qui ont viré leur cutie d'un coup. Ce qui n'est pas tout à fait mon cas encore, hein. Voire même pas du tout, en fait. Vous savez, il y a l'élastique qui finit ses vidéos avec un petit jingle du « Oh, j'en ai marre d'avoir toujours raison », extrait d'un film, je crois que c'est Les Valseuses ou un truc. Bon, ouais, c'est ça l'idée, quoi. J'aurais bien aimé me tromper, mais malheureusement, a priori, pour l'instant, j'ai raison. You just missed out. I've been ranting for 10 minutes and I thought, do you know what? Bon, ça fait 10 minutes qu'il essayait de lancer l'enregistrement parce qu'il est en train de suivre un truc en direct, hein, ou a priori,
Et bon, il a trouvé ça excellent. Yeah. Oh, go live. You've got to press go live. Sorry, I don't do a lot of live streams. And it's all changed a bit with OBS software. Oh, well, looks like I'll be starting again. Ladies and gentlemen. Là, il est de bonne humeur. Ladies and gentlemen, for those of you that don't know, Julian Romanelli was a PhD doing excellent link clicking and Pour ceux qui ne savent pas, Julian Romanello était une diplômée avec un doctorat qui faisait de l'excellent matériel. link sharing. She also did public meetings. Didn't bother filming them because apparently she's got all these friends, but no one can hold a camera. Julianne thinks she'll be moving quietly behind the scenes to expose Israel and its domination of technology. So that Donc, elle exposait Israël et sa domination au niveau de la technologie, in the United States critical infrastructure and son infiltration dans l'infrastructure technique israélienne et peut-être américaine aussi. of course, running the UN Smart Cities program, and so on and so forth. The excellent Bon, c'est trop rapide, il faut que je reprenne, excusez-moi. video you see behind me is the video of its domination of technology, subverting the United States Qui subvertit les États-Unis critical infrastructure. à des niveaux critiques de son infrastructure And of course, running the UN Smart Cities program. et qui régit le programme de Smart City de l'ONU. And so on and so forth. The excellent video you see behind me is video 125. The L'excellente vidéo que vous voyez derrière lui, c'est la numéro 125, intitulée The Ukrainian Future, Smart City, et la quatrième industrielle, en anglais, The Fourth Industrial Revolution, avec Julian Romanello. 125 chez Brendan O'Connell. Ukrainian Future Smart Cities, the Fourth Industrial Revolution. It's a Ah, good. et donc, je pense que c'est une vidéo au cours de laquelle ils étaient tous les deux d'accord. Et qui doit être très riche en enseignements, quoi. Et il y a aussi une vidéo sur la compagnie des Est, la compagnie des Est, des citrons. Non, 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 la compagnie Est orientale anglaise. Video. The point I'm trying to make is here's an example of someone throwing a lot of links in your face. And that's all they do all day. Her and Alison McDowell, they just throw links in your face. But they're meeting at the school board. Alors, ce qui se passe, c'est ça, c'est que tous ces gens-là nous envoient des liens très valables dont on est inondé toute la journée. Et si vous vous intéressez à un seul sujet, déjà vous êtes inondé. Si vous faites de la généralisation avec des exopolitiques, avec des énergies libres, avec la permaculture, avec la médecine parallèle, avec je sais pas, la communication animale, je ne vous explique pas à quel point vous pouvez être submergé. De toute façon, vous arrivez sur des sujets et avec des sites dont vous vous dites, mais je ne vais plus en sortir si je fais plus que ça, là. Bibliotheca Pleiades, par exemple, traduit en quatre langues ou trois langues, quatre langues, ça dépend des sujets. Vous hallucinez, c'est des gigas et des gigas de documents. C'est magnifique comme matériel, quoi. Et au niveau de la crédibilité du matos, 80%, je leur mets minimum. De toute façon, ils vont parler de David Wilcock et des sujets qu'il traite, et on généralise, et des fois Wilcock, ou à une époque Wilcock était plus fiable, aujourd'hui, bon, ben, vous savez, quand on passe entre les mains de Gaïa TV, il se passe quelque chose a priori, quoi. Qui pourrait paraître inquiétant aussi pour, par exemple, Svarou et Gauchia. Alors, elle dit c'est gratuit, j'y gagne rien et tout ça. Ouais, je ne sais pas. Je sais pas. Mais enfin, toujours est-il. C'était une source aussi exopolitique, hein, pour ceux qui ne savent pas. Reprenons. None of them like the military. They all hate the military. They Personne n'aime les militaires. won't move and do the stuff that needs to be done. Et donc, personne ne bougera et fera le travail qui a besoin d'être fait. C'est-à-dire, c'est comme l'opération Chocolat de Stan Mayo, quoi. On les approche en étant positif et souriant, mais au lieu d'offrir des chocolats, là, puisque c'est mal vu et c'est subvertif, il paraît, vous amenez des documents, des DVD, des bouquins, des textes, du matos, quoi. Vous amenez les résultats de la Quinta Columna. Paf! Vous lui dites, voyez ce qu'il y a dans les flacons, donc c'est un empoisonnement, donc vous devez nous défendre. Vous devez mettre sous les verrous ces empoisonneurs.
Ah, c'est là, enfin, vous avez le matos maintenant entre les mains, vous faites ce que vous voulez, quoi. Mais enfin, je comprends pas, si vous êtes rentré dans les services de les forces de l'ordre, c'est pour faire régner l'ordre ou c'est pour maltraiter la population, faut savoir, hein. What should you do before you even move towards your school board? What should you do? What should you do? Bon, The question, very question. You're running a camp or a counter coup. Coup's been done. Now you're going to run a counter coup. Take the Republic. donc maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un contre-coup d'État qui est en train de se mettre en place. What do you do? You secure the military. You can do all. Et comment est-ce qu'on y arrive à faire ça? Eh bien, il faut sécuriser les militaires. Non, c'est-à-dire, l'option militaire doit être de votre côté. All the stuff you like at the level of Congress, the Senate. Les militaires doivent être de votre côté, dans votre camp. Alors, c'est toujours ce qu'ils nous disent, les résistants militaires et policiers et autres. Dès que la majorité de la population se manifestera, on les suit. Mais je suis désolé. Où est-ce que vous avez vu, en général, une majorité de la population faire un coup d'État, où que ce soit dans l'histoire du monde? C'était 200 personnes qui ont fait la Révolution française. Bien structuré, avec des réseaux, avec bon, des sous-structures, on est d'accord, mais je sais pas. School boards, precincts. If you don't have the military on board, you're not going anywhere. Si on n'a pas les militaires de notre côté, on va nulle part. Ultimately, these people will have to be killed, Il est possible qu'à la fin, ces gens devront être tués. arrested. Arrêtés, en tout cas, et jugés et tués, pas forcément dans ce sens-là, dans cet ordre-là. Indicted, not necessarily in that order. This is Ouais, moi, je dirais plus encore. Il faut qu'ils admettent leur tort et qu'ils réparent et qu'ils remboursent. Voilà. Tout ça, tout ça. Et qu'ils fassent leur peine. Hein. Voilà. Et puis qu'on récupère tout ce qui a été dispersé autour d'eux, dans leur proche cercle d'ayant droit, etc., etc. Voilà. Et puis qu'on revienne sur les mauvaises règles qui ont été prises, les mauvaises démarches. Voilà. Et oui, s'il faut réécrire tous les bouquins, on réécrit tous les bouquins. Ce ne sera pas la première fois. Il faut arrêter ces conneries, là. C'est vrai que ça en fait beaucoup. Et alors, on les met tous au pilon et c'est pas un matériel papier, resserre pour une édition honnête des choses, des sciences, de la médecine, des informations, de la réalité, de tout. Vous voyez, mais on recommence, on ressent, on recommence. Vous avez sculpté un vélo, vous avez fait les roues carrées, ça n'a pas marché, il faut refaire les roues. reason at the highest order, and I realize a lot of you living your comfortable lives can't even, you got a pink feather to dust, you got Alice McDowell, the cat lady up again. Les roues carrées, ça ne marche que pour monter les escaliers. Et oui, les descentes. It's a Rottweiler, and you think if you just have enough meetings and throw links at each other, the world will be a better place. Excuse me, I've been at this over 20 years, most of you are clueless. I've been at this 20 years, I knew every big plot. Mais bon, encore, il n'y a pas d'escalier dans la nature. I spoke to every big player, and I watched Christopher Bolin do all that excellent work on 9-11, and guess what, no one got indicted. It just went absolutely nowhere. Why is that? Pourquoi est-ce que tout le travail excellent qui a été fait sur le 11 septembre ne sort nulle part et n'a pas abouti à quelque chose? Why is that? There was no advertising and marketing targeting the right people. Parce qu'il n'y a pas eu de publicité autour de ce travail. Or policing, intelligence, and above all, the military. Et qu'en plus, voilà, bon, je ne sais pas c'est ce qu'il dit là, mais je rajouterais, moi, qu'en plus, il y avait ces programmes secrets des sociétés de renseignement, plutôt militaires, mais même privées, qui organisaient justement le shadow banning, tout le côté d'œnologie, là, dans lequel justement le général Papa Bear, là, qui est très interviewé en ce moment, des fois sur Alex Jones, d'ailleurs, bizarrement, alors que c'est un fils illégitime, on va dire, de Brzezinski, de l'autre là aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Enfin bon. Et des mafias secrètes internes aux confréries militaires dont nous parlait Kate Greed, Catherine Greed, GRI2GS. Il y a au moins 8 heures d'interview édifiante. C'était la femme d'un ancien haut gradé, etc., etc., et qui expliquait vraiment ben, la corruption, l'homosexualité, la drogue, l'alcool, les trafics, voilà, au sein des hauts réseaux francs-maçons militaires, globalement. Pas que francs-maçons, d'ailleurs, et pas que militaires, effectivement, mais entre autres. We won't approach them. Now, we've done a lot of approaching and we've spoken to a lot of people. Don't thank us. We'll do the work for you. Meanwhile, Julianne Romanello will hang with General Michael Flynn and Clay Clark. And Même maintenant qu'elle est associée à Flynn et Clark, she will next be on Alex Jones, I said jokingly. elle va aussi passer chez Alex Jones. I await Julianne Romanello on Alex Jones after she failed to mention Israel once in her
même malgré le fait qu'elle n'ait jamais mentionné une fois Israël. Little lecture. Lo and behold, what do? I look over. Bon, j'ai loupé ma phrase, mais c'est pas grave. Here, and we're gonna look at that. Reawaken, there's Clay Clark. Where is he? Thrive time. I look at. Donc, ça, c'est peut-être. Over here, and we're gonna look at that. Bon, il va y revenir Reawaken, après. there's Clay Clark. Where... Je n'ai pas encore vu cette vidéo. Hein. Ben, ça avait l'air d'être une confession qu'il fallait garder confidentielle. Where is he? Thrive time. Where is Thrive time now? Thrive time is on Alex Jones. Le genre de confession qui aujourd'hui nous permet de dire qu'effectivement Del Fressi et Fossi étaient en relation par email, qui aurait disparu, soi-disant aussi. Hein, comme Van der Leyen et son petit ami chez Big Pharma, là, Bourla, et voilà, qui a vu sa fortune multipliée par 40% depuis la crise, quoi, un truc dans le genre. Oui. Et ça, c'est des gens, ils sont sur Terre, ils ne partagent pas, ils ont des milliards dont ils ne savent plus quoi faire, et les gens meurent et ils ne partagent pas. Et c'est eux qu'on interview à la télé, les gens badent sur comment, qu'est-ce qu'ils racontent, je vous généraliserai là, même. Et ils se rappellent plus que ces gens-là, ils se comportent de telle manière. C'est des gens qui attendent qu'on aille voir leurs œuvres cinématographiques et qui traitent les non-vax de pauvres connards. Les pauvres connards de non-vax. Eh bien, dis donc, mon pauvre ami. Et c'est les chanteurs qui n'ont pas manifesté, qui n'ont rien dit. Mais bon, ils bouffent tous au même râtelier, et ce râtelier, par le biais d'Hollywood ou d'autres structures artistiques, infiltré ben, par le satanisme en même temps que par le projet Mockingbird aussi. There he be. Thrive Time Show, Clay Clark. And what does Clay Clark do? Clay Clark likes to do this. Let me get this up. Alors, qu'est-ce que fait Clay Clark? Just so. No, here is Clay Clark. There you go. Ouh, intéressant. Any chance any of you think that... Vous pensez qu'il y aurait une petite chance que... Might be a little masonry in there somewhere. Il y a un peu de franc-maçonnerie là derrière. D'Illuminati. Illuminati. Avec une photo comme ça là. Alors en plus, c'est quoi? C'est un bateau pirate sur son œil gauche ou. Enfin, pour lui, le gauche. Hein, ou une mosquée. C'est quoi cette forme là? What do you reckon? The DJ, organizer, ecstasy dealer, drug money. Donc, j'essayais de décrypter la forme. Ce DJ, organisateur, ancien dealer de coke, blanchisseur d'argent. Regardez Kay Griggs. Et à propos de Clay Clark, et regardez qui c'est et ce qu'il fait. Hanging out with churches. What's the beauty of these churches? Il est en accord avec les églises. There's all hardcore Zionists, Israeli first churches. A friend of mine went to one, and he said, someone said Israel, and the crowd booed, and he screamed, silence! I thought, oh my God, please tell me you got that on camera. He said, no, I didn't have my video, I didn't have my camera. Another friend went. Ce gars qui, en fait, empêche les opinions anti-israéliennes d'être émises, anti-politique israélienne, hein, si on veut être précis, et en fait, politique sioniste israélienne, pour être encore plus précis, et en fait, politique crypto-casars, sioniste israélienne. Voilà. And sister of a colonel, briefing staff general, and says they run up and down with these cameras just filming everyone. It's spooky, it's freaky, it's weird. Because they're all involved with Israel, they're all getting names, dates, faces, you're registering in a bubble, you launder your drug money through the system. That's why General Flynn is there. We've got Green Berets, Special Forces people we're talking to over there in Iraq and Afghanistan showing all the drug money laundering. Toutes ces affaires de blanchiment d'argent qui ont sous-tendu les conflits en Irak, en Afghanistan, the full-blown criminal scams, the murder of American troops, and... le meurtre des troupes américaines. So on and so forth. We'll be talking with those people very, very soon. Donc, très bientôt, on va parler de tout ça avec ces gens. Because you run up with your million dollars, you put it in a brown paper bag. Parce que vous arrivez là avec, il arrive là avec ses millions de dollars. You bang on the door, and then you run away. It's like... qu'il vous dépose dans un sac devant la porte, il tape et il part en courant. Clark walks out and goes, oh my goodness, $1 million. Ah, et soudain, l'autre, il arrive, oh, donc, j'ai $1 million maintenant.
Faithful servant of the Lord, the archangel Michael has... C'est le Seigneur qui m'a inondé, qui m'a arrosé. Send it this money for us. Oh, I'm sorry, IRS. We don't know who it is. Number one, it's tax free. And number two, it's just a beautiful donor sticking to the word of the Bible, a lantern unto his feet, that he wishes to remain anonymous. Oh yeah. C'est quelqu'un juste de tellement bienveillant qu'en plus il veut rayer, pardon, il veut rester anonyme. He deals in cash. Et qu'en plus il t'a laissé ça en cash. Old hard cash. Don't they, Clay? My little ecstasy dealer. My little Ah, mon petit Clay, mon ex-dealer d'ecstasy. Little DJ. Mon DJ. Go DJ, go DJ. We're going to Ibiza this summer. Alors, on va à Ibiza cet été. Come on, everybody. Can I get an amen? Can I get an amen? Bon, allons tout le monde, là, vous comprenez ce dont il s'agit, là. These are all Julian Romanello's new friends. We'll read her text and we'll read her email to them. What I said to them. So he's now in with Alex Jones, the LLC. They're all up. Donc il est maintenant sur Alex Jones, LLC. LLCs, and they're all working together. Alex Jones has got no money. He says, I'm only earning $800,000 a year, a day. That's how much he made. Combien il fait, Alex Jones, $100,000 par jour? $100,000 in one day. In one day. Let's read this article. And we'll get on to Clay Clark, General Michael Flynn and Jordan. Il fait 800 000 dollars par jour. Finally, you work it out. I never believed you. InfoWars. You dip this low. Never. Alex Jones' lawyers accidentally leaked. En 2018, il faisait plus de 800 000 dollars par jour. Years of emails, InfoWars. Bon, là-dedans, il y a sûrement des frais et de l'investissement. Hein, mais bon, il y a sûrement aussi pas mal de bénéfices. Financial documents are revealed in court. A lawyer for two parents suing Jones said the emails show that InfoWars at one point in 2018 was making over $800,000 per day. And Zachary's never denied it. We didn't. $800,000 passés par jour. That much money? I don't have hardly any money. Ah, il peut s'énerver, il peut. Et il se paye pas de nouvelles cordes vocales. Hein. Non. Faut pas. Il faut que ça nous mette dans cet état-là mental d'irritation. Oui, oui. Au niveau. Ésotérico-psy, il peut nous donner des bonnes informations, mais avec une telle énergie négative qu'on va moins bien savoir gérer et transmuter cette énergie pour en faire quelque chose de positif et créatif sans tomber dans nos vibrations. Voyez, voilà. Le contre-exemple, c'est on balance des mots d'humour. Et on détend l'esprit avec finesse et gaieté. Et l'information, la négative, n'a pas le même impact négatif. Voilà. J'essaye de faire ça peut-être. Inconsciemment ou pas, sûrement inconsciemment, parce que de toute façon, c'est comme ça que je prends ma vie aussi. Et on finit par rire de soi. C'est le meilleur moyen d'ailleurs pour avoir de l'énergie pour mieux rebondir. Plutôt que de s'affliger sur sa situation et de chialer, chouiner. Bon. Lady was making 50 million a year. I thought that was turnover. Now I realize, no, that's profit. But he doesn't own this. Steve Pachenik of Goldman Sachs owns those LLC. Steve Pachenik and Goldman Sachs own Dr. Group and that whole new... Alors, il y a aussi Steve... Chepeny. Nutraceutical Circle, Mark Adams, the whole lot of them are owned by subsidiaries. Mike Adams. Alors, Mike Adams, j'en ai entendu une, mais c'est vraiment du prêchi-prêcha biblique. Tout est écrit dans la Bible, alors il traduit tout ce qui se passe aujourd'hui avec des trucs de la Bible, et puis c'est pénible parce que ça ne va pas assez loin. Il connaît les Anunnaki, il connaît les aliens en plus, hein. Mais il a pas relié les points, là. Il ne se dit pas, mince, quand même, oui, c'est intéressant, leur arrivée et l'arrivée des religions et l'état de la planète d'aujourd'hui. C'est marrant qu'il n'aille pas jusque-là, mais bon, il est très survivaliste américain, patriotique et tout ça, il vend beaucoup de matos aussi comme Alex Jones, mais ses infos sont bonnes, elles sont saines, il protège la vie, je le respecte à ce niveau-là absolument. Par contre, c'est trop biblique pour moi, ça ne va pas assez loin et il pourrait être plus libéré, là en ce moment il est en train de déblatérer sur la Chine, Taïwan et tout ça, l'indépendance de Taïwan, l'île indépendante de Taïwan, les Chinois n'ont jamais considéré l'île comme étant indépendante, ils l'ont considéré comme étant autonome, je crois, pendant un certain nombre d'années, suite à la colonisation anglo-machin, et portugaise ou autre, hein. Donc, mais, et jésuite, et Blackson, et Rothschild, et bien sûr, et tout ça, et
Ces anciens marchands vénitiens, c'est eux qui ont importé ici la nouille chinoise, l'abricot et autres. Les phéniciens, les vénitiens, le langage phonétique, la phonème, les phonèmes, le codage. Et leur possible acquaintance avec Mars, d'ailleurs, hein, les anciens de l'époque. En tout cas, les doges de Venise, là, qui ont fait des petits après en Hollande, enfin, tous ces systèmes de contrôle et de structure de la société par le biais de grandes firmes commerciales, essentiellement, ou économique ou industriel ou après tout lié après par la suite. Ouais. À la tête desquelles on retrouve un peu les mêmes gens quoi, hein, comme d'habitude et c'est normal donc du coup enfin c'est plausible, c'est logique à mon avis vu ce que je viens de vous raconter. Steve Pechenik, voilà. Lui, c'est un fils de Ah. Kissinger, je crois. Hein. Là, c'est Kissinger. C'est Kissinger ou l'autre? Brzezinski. Enfin, un peu les deux, quoi. Je ne sais plus lesquels. C'est Kissinger. Kissinger, Goldman Sachs. That, Kissinger, Goldman Sachs. That's where all this is going. So, Alex Jones probably doesn't have that money. He's just. Alors, si ça se trouve, Alex Jones n'a pas touché cet argent. It's another front of this foundation system, this drug money law. C'est peut-être juste une devanture. Pour ces fondations qui font du blanchiment d'argent comme ça. Le même équipement, le même studio. C'est le même qui est utilisé par les services, les contractants militaires. Et même dans les églises évangéliques avec leurs studios à millions de dollars. C'est le même matos. The same stuff they use at Alex Jones. They're all drug money laundering, and il y a eu du blanchiment d'argent. You know the story. They're all sexual deviants, whack jobs, cocaine. Enfin, de l'argent de. Il y a eu du blanchiment d'argent de la drogue. Addicts popping Adderalls every day and hanging out with other men, and you know the story. They're all sexual deviants, whack jobs. C'est tous des déviants sexuels. Jobs, coke addicts, pop. Des addicts à la coke. Popping Adderalls every day. Ils s'en mettent plein le nez tous les jours. And hanging out with other multi-millionaire journalistic dissidents like Joe. Et ils tiennent la journée comme ça, ou dans leur milieu avec d'autres journalistes millionnaires. All doing it hard, truly suffering. We await their memoir. Perhaps they were suckled by wolves in a cave to keep themselves alive. We don't know, but we've all. Ils sont tous là, nous. Ils sont tous là, habités dans des caves pour rester pour survivre. Boy, yeah. Alex Jones, I defended. À nous balancer des affaires, des informations dépressives. Décrivant un futur terrible. But up to about 2017, 2018, because I said, look, he's a gateway drug, he's an idiot. En 2017, 2018, il a commencé à perdre pied au niveau de la drogue. But I've used this stuff to good effect, particularly Dr. Steve Pechenik, when he did his role, did 9-11, and did a whole scene. I think about it. Notamment lors de l'intervention de Steve Pechenik à propos du 11 septembre. Is that to good effect? I got 5 direct replies from members of parliament in Australia. However, each year after 20... Bon, là, il parle d'une relation avec certains membres du parlement en Australie. 2016, 17, and when Donald Trump got in, Jones got more and more ridiculous. He was taking more and more drugs and making a bigger fool of himself. Oui, bon, il a décrépi à partir de 2018, on va dire. I heard basically we had people in there and they said he wants out, they won't let him out. He wanted rid of Roger Stone, he can't get rid of... Il n'a pas réussi à se débarrasser de Roger Stone. C'est un des éléments pourris, justement, de ces fraternités militaires. Roger Stone has compromising pictures of Alex Jones. Parce que Roger Stone a des images compromettantes d'Alex Jones. Alex Jones hangs out on his ranch with hookers galore. That's where he met his wife. Il est allé à des soirées dans des ranchs. Alex Jones hangs out with like the head Boeing engineer who designed the F-18 Hornet. He's in deep with the Eric Prince private security contractor. Il est en liaison avec... deux, trois sujets là que j'ai loupé, je ne comprends pas, je ne suis pas au courant. Mais aussi, par exemple, avec Eric Prince, c'est-à-dire l'armée privée de Goldman Sachs, c'est-à-dire un entraînement par des équipes militaires israéliennes. He's desperate to get out. He can't get out. Il aimerait bien en sortir, mais il ne peut pas. You're in an organized crime group, Alex, and you're a piece of shit. Vous faites partie d'un crime organisé, Alex Jones, et vous êtes de la merde.
$8,000 per day. So he's making minimum 50 million a year. But I guarantee he doesn't. Mais je suis quasiment sûr qu'il fait au moins 15 millions par an. No, he flies first class everywhere, no one gets it. When you're a dissident, life is not fun. He's not... Quand vous avez une vie de dissident, c'est pas heureux, c'est pas gay. Miserable. You don't have armed teams, former Blackwater mercs from Eric Prince protecting you. You don't... Vous n'avez pas des hommes armés de Eric Prince qui vous protègent. You have multiple property investment property. Vous n'avez pas des investissements dans de multiples propriétés. You don't have $100,000, $200,000, $300,000 in gold and silver. You don't have... Vous n'avez pas des réserves en or et en argent de centaines de milliers de dollars. You have $170,000 fish tanks. All right, your life is quite miserable, filled with fear, anger, rage, PTSD. Vous avez tout le contraire. Vous avez les restrictions, la rage, la colère, les traumatismes post-traumatiques. And you feel like you're going insane. That's a lot. Et il vous semble que vous devenez fou. Life of a political dissident. Voilà la vie d'un dissident politique. Try telling that to the average moron. Pas. Moron who believes Joe Rogan's a great guy. The average moron who believes. Il y en a des gens qui pensent que Joe Rogan est un brave gars. Tucker Carlson, who's bot. Tucker Carlson. C'est Rupert Murdoch, his best friends with who? Il est super copain avec Rupert Murdoch. Thank you, Glacier, for my long list of Rupert Murdoch and Heinz Kissinger links. Allez, merci à Intel pour ma longue liste de relations avec Rupert Murdoch et Kissinger. And we'll go into that into the next video. On en parlera dans la vidéo suivante. So we see if we can't break a few skulls and get a few skulls opened in the United States that what these people are. I've never seen more stage theater in all my days, Alex. J'ai jamais vu autant de situations montées de pied en cap de toute ma vie, dit-il. Actions will make more money than ever. Dont certains tirent en plus le moyen de faire plus d'argent que jamais. Since COVID 2020, he was losing money again. He was going downhill. Boom, long came COVID. He teams up with David Icke, iconic, and they're now all limited liability. Il s'est passé, je ne sais pas quoi, pour quelqu'un qui finalement s'est retrouvé avec des symptômes de COVID long. Ça n'existe pas non plus, hein, cette connerie-là. Et de toute façon, ça se traite à l'ivermectine. En plus. Ah. 2020, he was losing money again. He was going. En 2020, il perdait de l'argent. Downhill, boom, long came COVID. Il a chopé ça. Teamed up with David Icke. Il a fini à faire une super interview, enfin super, une interview avec David Icke. And they're now all in the liability companies. They're making a fortune. Et maintenant, ils sont tous au milieu de compagnies qui font des fortunes. If they use the same lawyer that Alex Jones used, Claire Bronfman, Claire Bronfman's lawyer, you know, Nexium cult, Roger Stone, sex cult, Bronfman family, Arnold Milchin, Keanu Reeves, all friends, Benjamin Netanyahu. You... Bon, là, il cite plein de gens qui sont aussi bien copains avec Benjamin Netanyahu. Get the picture. J'espère que vous avez compris. $800,000 in one day. $800,000 en un jour. Well, the most I've earned was $200,000. Only $200,000? Oh. Seulement. Gosh, we're looking for some graphics designers, Alex. Thank you to the people that have offered all this graphics design. I will put you on to the ladies. They are organizing all the graphics design, all that work. Thank you very much. It's vital, vital, vital. Blablabla, blablabla. Bon, je ne sais pas si on va continuer. Là, je pense que vous avez à peu près compris ce qu'on avait essentiellement à dire. De toute façon, le reste de la vidéo, je ne l'ai pas vu. Mais je pense que celle-ci dure depuis assez longtemps, que le sujet est ardu comme d'habitude et que je ne le traduis pas très bien comme d'habitude chez lui. Mais si vous avez constaté, c'est du Dan Winter version politique, quoi, hein. Donc, c'est phrase à tiroir, à tiroir, à tiroir. Et c'est bien si vous avez vu une grande partie de la centaine de vidéos politiques qu'il a faites, Brendan O'Connell, parce que ça vous permet de mieux comprendre mes mauvaises traductions en pointillés, quoi. Parce qu'on est là juste, on rappelle tel point, tel point, tel point, tel point, et on tire les lignes, on relie les points entre eux. Voilà. Bon, moi, j'en ai un petit peu marre en plus. Là, c'est l'heure d'un petit café au moins. Et c'est ballot parce que je voulais continuer avec du Kim et du Ben Fulford, mais je suis fatigué, quoi. C'est fatigant, ça. C'est moins, pour moi, c'est moins... riche et heureux comme niveau de pensée que l'exopolitique ou l'ésotérisme ou... Enfin, voilà. Bien, je vous remercie d'avoir suivi néanmoins. À très bientôt. Salut. Sûrement pour la vidéo de Kim, par exemple. Enfin, si elle dit des choses intéressantes, hein, parce que c'est celle d'hier soir, donc du 4 août au soir, et je ne l'ai pas encore capté. Oui, il y en a qui croient qu'on s'amuse en vacances. Salut.